Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes déjà Bonsoir. à l'épisode numéro 10, Bonsoir. le cadre final. Et ça passe très, très vite parce qu'il ne reste que des épisodes. Mais l'épisode d'aujourd'hui, il m'est particulièrement cher parce que, malgré, bien sûr, il s'agit d'un cadre final. Mais nous avons deux superbes invités. Mes excuses, je Pas de rencontre quelques problème. problèmes de connexion. Merci. Veuillez venir plus tard. C'est rien pour de. Donc, je reçois deux invités de grandes marques, des ex-pégrantistes, qui ont grandi, qui ont fait des super suivis de thèse, et avec à la clé des livres. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue à Zineb et Si Mohamed. Bonsoir, Zineb. Bonsoir, Oustad. Ça Franchement, va? c'est l'honneur ou le bonheur d'en tu as les émotions de Covid. Oui. Vraiment, Oustad, tu des opportunités comme Alors, la troisième année d'Yali. très bien. Alors maintenant, Zine, tu fais quoi? Cette pédiatrie, résidente de Bessalit, c'est de la première année d'Yali, pédiatrie de la deuxième année, Inch'Allah. Parfait. Malak, c'est assez de Marrakech. C'est de Marrakech. Voilà. Alors, Zine Bdaraoui, elle était candidate depuis grand à saison 3. On a dit que la saison, c'était juste ma. Mais le début de l'apparition du vaccin anti-Covid, c'était l'espoir pour que le monde, mais le Maroc, puisse en guérir. Elle a cherché avec la saison qu'il de l'espoir. Alors, Zim, quel souvenir tu portes de Piglant à saison 3? صراحة حنا كنا دخلنا في واحد لا ديبرسيون سي سور كنا سدينا سورتو اون ايتي ماشي ما كناش ديسي ما كانش سيزيام اني Oui. كنت سيزيام اني سو كي في ما كناش كنبقاو في لوبيتال Oui. ماشي بحال كنا دي زيكستيرن سو كي في جلسنا في الدار وسدينا لينا نهار جات بيغلونطا والله الا حسينا براسنا بحال خرجنا من الدار بعدا ولينا واحد لا موتيفاسيون كتجي كتلقى راسك ديك لي 48 اور كتقرا على وديت ليبيزود فريمون شي حوايج واحد لي زيموسيون اللي تخربقوا صراحة دابا واحد الاحساس اللي زوين بزاف فريمون زوين بزاف ايوه الحمد لله. ما زلت عايشي مع سي هذا دو الجلد. فريمون سي غراس سي دو والله سي غراس سي غراس على دوك لي ريفليكس اللي خدمنا وباقيين كيرجعوا لينا لحد الان كنكونوا قدام لي باسيون ديالنا وكيرجع لنا شي ريفليكس وحق الله كنضحكوا غير بوحديتنا تقولها شفتو كيلكو بار. راه قال لنا الاستاذ Très, très bien. Merci beaucoup, Zineb. Donc, on va avoir besoin de toi dans une partie de l'épisode. On n'en dit pas plus. Alors, si Mohamed, bonsoir. Salut. صباح الحمد لله على راحتك أستاذ. هاد لا سيزون ديالكم زعما سبيسيال من لا ميم سيزون خرجوا جوج كتوبة سي بيان. بيان سور أستاذ. أستاذ سيتي لو كومبا أونتخ لي فاكسان إي لي كوفيد، سي تو أفي نورمال. Exactement. En fait, il y avait deux équipes. Il y avait l'équipe du COVID, l'équipe des vaccins. C'était exactement. Anyway. Ça va, c'est Mohamed? Ça va, الحمد لله Alors, ça te fait quoi d'être 3 ans après? Oui, ça fait plaisir d'être présent parmi vous. Merci beaucoup, Oussad, pour cette invitation, pour cette merveilleuse occasion. Ça fait plaisir aussi de voir des petites sœurs et des petits frères être parmi nous. Bien. Et merci beaucoup, Oussad, pour tout ce que vous faites pour vos études. Alors, moi je le sais, alors tu fais quoi maintenant, Si Mohamed, pour ceux qui ne te connaissent pas? Tu résides en tu as commencé à résider en ou la partie deuxième année? Tu as commencé à résider. Oui, j'ai commencé, oui, je suis actuellement résident première année anesthésie Première réanimation année à Fès. d'anesthésie. Alors, Merci beaucoup, c'est. toi aussi, on va avoir besoin de toi dans une partie de l'émission. Et là, D'accord. je me tourne aux six derniers aventuriers. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, c'est. professeur. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Ça, je me tiens avec la saison. Ça va? Alhamdulillah. Allez, tu me Oui, Aston. Oui. Eh bien, de tout la répartition de la commande binôme. D'accord. Bonsoir, Hamza. Ma main, j'étais. Non, Zineb. T'es au Zimb. Voilà. Quel est le droit de l'émission? واحد الله يخليك.
ما شاء الله قال لكم الثقة في الله، ما تثقوش في الأستاذ. الله تمنيتكم زعما نخليكم تختاروا، فبعد التيراج والصور اون فا تو ميلونجي، اي vous allez tomber sur un binôme que seul Zoom va décider. C'est bon? Donc, on va se répartir en trois binômes. Alors, les coachs de Louis et Ayoub et Zine Boussi Mohamed, on va dire, comme la salle d'attente juste provisoirement, et le temps de faire le tirage. Ça ne va pas durer 30, même pas 30 secondes. Alors, de Louis, mettre en salle d'attente. Ensuite, Zi Abdallahoui, salle d'attente. Coach Ayoub, salle d'attente. Et Moussi Mohamed. Très bien. Alors, tu vois, salle d'attente, il y a pas le moment. Après, je connais X, mais X, مفاجأة أستاذ. مفاجأة. Très bien. Donc, là-bas, je vais vous répartir en trois binômes et c'est Zoom qui décide. Ça fait que moi, je n'interviens pas. Alors, répartition. Très bien. Alors, nous avons nos binômes. Ça fait? On y va. Alors, salle 1, Halima. Oui, Et Ostad. Younes. Allez, moi, Younes. Halima et Younes. بين شي بلانات كاع تضحك حليمه، هذاك عطيه زعما النيفو ديال الشيطان هذا العام. أستاذ أنا ديما كنضحك أستاذ. الشيطان الشيطان الشيطان، تحكي على داك الشيطان ديال يونس، سا طون بيان شيطان امين. يوسف يوسف تي لا أستاذ أنا معك. معك، زينب، اوكي استاذ. علي استاذ معك بيان سور، حمزه حمزة. تعطي. يلا نجي نمشي نعيط لي زوط ندخلهم، شكون معانا؟ درويش، كوتش درويش، سي محمد، أيوب، سافا؟ الحمد لله. دي باقي داير الكران. تري تري Oui, بيان. دونك alors les amis, on va commencer par le confort. D'accord? Donc, je vais partir travailler avec le binôme 1, ensuite le binôme 2, ensuite le binôme 3. D'accord? Ça marche? Donc, je vais prendre avec moi nos invités, M. Hadrolikon et les deux coachs. C'est bon? بلاصتك Allez. تاكل Oui. في الكونفرنس مفاجأة أو تاني نعم؟ قال لك شبيكم في الكونفرنس قال لك قال ما تحشم. ما في مشاو اخرين بعدا، ما كاينينش. Salle de répartition, je vais. On va dire Dimaya, coach, salle 1, Dimaya, Zineb, Nana. Les invités, je vais te faire le jeu. Alors, salle 2, salle 3, j'arrive, c'est bon? À tout à l'heure. Mettez le Workshop, micro. c'est Mettez le micro. Halima et Younes, vous êtes là? Oui, Oui. très bien. Donc, vous allez répondre aux questions croc alternativement à un, d'accord?
داكو واحد غيجاوب اون سيري حتى تيغلط غيدوز الاخر صافي. دونك ان توكا والوقت سهل. لا كل وقت 10 مينوت با بلوس 30 كيستيون، ولكن ولكن تقدر ما توصلوش لها حيت غتبداو تجاوبوا تيغلط واحد فيكم، عندكم الحق تغلطي مره واحده صافي. Ça marche? Et les yeux Ça fermés. marche. Les yeux fermés, d'accord. Alors, qui commence? Qui commence? حليمة توكلي على الله حليم. D'accord, c'est tu commences. Je suis le moumen. Toukli à Allah. Toukli à Allah. الشاع منه يا المرحب. أستاذ، يا أستاذ. يلا حليمة قيدني يا فرنسا. أستاذ. وي أستاذ. بداو فيرم لي زيو غادي نخلي الو غادي نشوف كنت ويونس حليمه Oui, 3 Oustad. 2 1 Quelle est la différence entre hémorragie de la délivrance primaire et secondaire? L'hémorragie de la délivrance primaire, il survient dans les 24 heures qui suivent le postpartum, qui suit l'accouchement, et secondaire dans les 24 heures à 2 semaines après l'accouchement. Très bien, je continue. Citer deux signes cliniques prédictifs de la sévérité d'une hémorragie de la délivrance. Signe clinique de la La sévérité sévérité d'une hémorragie de la délivrance, ce sont des constantes. Allez. donc c'est la tachycardie et le pouls sur la PAS supérieur à 1, le rapport pouls sur PAS. Très bien. Troisième question. Citer les éléments biologiques orientant vers un syndrome de défibrillation. Syndrome de défibrillation, donc TCA, donc le TPL inférieur à 50%, le TCA supérieur à 2,5 fois le témoin, pas le témoin, on a les fibrinogènes supérieurs à 1,5, Bien sûr. à 2, Didymar supérieur à 1,5 et Didymar supérieur à 1,5 et Alors, je vais te donner la réponse, les Hadi. C'est-à-dire, on aura Zidi ou Kilvin Bredrol. Alors, chauffe, défibrillation, ce n'était pas la bonne réponse. Donc, on avance à la quatrième question. Ça fait? Tu as déjà D'accord. consommé ton erreur. Allez. D'accord. Quatrième question. Quel est l'intérêt du rapport facteur 2 sur facteur 5? Facteur 2 sur facteur 5. Quel est l'intérêt du Oustad, rapport? il oriente vers une CIVD lorsqu'ils sont diminution concomitante. Il oriente vers une défibrillation lorsqu'il y a diminution sursoudienne il y a le facteur 2. Très bien. Question 5. À quoi correspond-il le moyen mnémotechnique 4T? Les 4 T, donc tchon, tissu, thrombine et trauma. Très bien. Question 6. Citez quatre facteurs de risque de l'atonie utérine. L'atonie utérine, donc grossesse jumellaire, un travail qui est prolongé ou là très court, une hydramnios, grossesse jumellaire, l'atonie utérine. Alors, Vous saviez des. grossesse jumellaire hydramnios, la vraiment jugeons sur les turistes distendus. Attention, c'est Hajar. Utérus distendu Attention, et c'est bon. Attention, travail prolongé. Bakili est juge. travail prolongé, utérus distendu, l'atonie utérine. Possède l'utilisation de l'ocytocine, utilisation excessive de l'ocytocine et l'atonie utérine. Ok, Et... Halima, ouvre les Oui, yeux. Oustad. C'est bon, c'était pas ça. Alors, Younes, tu fermes les yeux. On va commencer de la question 7. Ça fait? C'est bon? Go. Younes, à quoi correspond-elle la délivrance dirigée? C'est quoi la délivrance dirigée? Younes, dès le micro avec. Micro, Younes, micro. Wow, Joubert. Aoud la question à Fagoset. À quoi correspond-elle la man... pardon. À quoi correspond-elle la délivrance dirigée? La délivrance est dirigée. Mmh.
je pense la délivrance dirigée هي la délivrance اللي كتكون ميكانيك Alors, artificielle. on passe à la question numéro 8. Tu as déjà consommé ta chance, ça fait? عندي une Younes? seule chance au CDEC. Ah, d'abord, il a retardé une réponse. Younes, Oui. c'est quoi la manœuvre de Brandt et Andrew? Donc, la manœuvre de Grant, c'est la manœuvre où on s'abloue la délivrance pour extraire le cordon ombilical. On extrait le cordon ombilical d'une façon qui est très fine. OK, question 9. Quelle est la dose maximale d'ocytocine à ne pas dépasser? Donc, la dose maximale, normalement 10 unités entre 5 et 10 unités fmaraloula. Après, kanzidou 10 unités 15 unités fmaratania ou 30 fmaratelta. Moi, ma recherche, une photo 40 unités par jour. Très bien. Alors, citer deux choses à faire si l'atonie utérine résiste à l'ocytocine. Donc, l'atonie utérine, il résiste à l'ocytocine. Donc, je pense, radine 2 l'ocytocine, radine 2 l'exacyl. Vous avez la question, c'est Très bien. Citer deux choses à faire si l'atonie utérine résiste à l'ocytocine ou la part une barre à tête saignée. Donc, غادي نديرو l'exacyl. Sinon, غادي نعاودو ندوزو le prostaglandine. Dou les manœuvres pharmaceutiques. Sinon, غادي ندوزو le ballonnet de Bacri. OK. Sinon, غادي ندوزو les C'est bon. manœuvres chirurgicales. C'est bon, c'est bon. Alors, citez les facteurs pronostiques d'une hémorragie de la délivrance. Les facteurs. Oui. Comment c'est qu'il va mourir ou là qu'il va survivre? Donc, les facteurs pronostiques de la délivrance. De l'hémorragie de la délivrance. De l'hémorragie, de Ah. la délivrance. Exact. Donc, radi A, blessi, il y a la P4T, anomalie de placenta. Oui. وعاد كاين تاكيكاردي اكثر من 115، Oui. وعاد كاين لو طو دو فيبرين كيكون قل من جوج، وعاد كاين التي الثالثه هي التروبونين، وعاد Oui. كاين التي الرابعه ثلاثه وسته دا بلاتي. التي Oh, c'est الرابعه bon, c'est هي bon. C'est bon, tu as dit un bon mot-clé, c'est bon. باقا J'accepte, c'est bon, صافي tu as صافي. dit le bon mot-clé. Question 12. Quels sont les critères retenus pour définir le HELLP syndrome? Le Les critères Ah, donc, retenus pour définir le HELLP syndrome. alors pour définir le HELLP syndrome, il faut qu'on ait une HTA gravidique. En plus, il faut qu'on ait une protéinurie. Il faut qu'on ait une Là, protéinurie une super. science. Le HELLP Non, ça. syndrome. Le HELLP syndrome. Alors, les Ah. critères. Maktik pré-éclampsie. Le HELLP syndrome. Ah, si qu'on l'hémolyse, ou si qu'on a l'hémolyse. وخص تكون ديك الاخرى ديال ايموليز لو لو هيباتيك انزيم وخص تكون عاوتاني لو ديال لي بلاكيت هابطين. عاود اش قلتي؟ نعاود نفورميلو سيت. بيان دونك سور. خاص تكون ليموليز، خص زيد يكون عندها لي سين ديال ليموليز. زيد نقول لي سين ديال ليموليز، لا لا غير قولي غير لي كريتير دونك هيموليك لي سيني نعرف. دو لوموليز، و خص يكونوا لي زونزيم هيباتيك عندنا طالعين. يعني خص تكون لي زونزيم هيباتيك عندنا، و خص تكون ترومبوسيتامي، خص يكونوا لي بلاكيت هابطين قل من 100 ألف. Très bien. Alors, question 13. Citez les éléments biologiques qui orientent vers l'hémolyse, justement. Quels sont les signes biologiques de l'hémolyse? De l'hémolyse. Donc, Oui. la protéinurie غادي تكون اكثر من خمسه، Younes, وخص تكون l'hémolyse. نعم وسط L'hémolyse. Je parle de l'hémolyse.
كيف سون لي سين بيولوجيك ان فاغور دو ليموليز علي باش نعرفوا لا مهم ديال الان ليموليز اي صافي غادي يكونوا في سميتو في الفروتيسون كار خص يكونوا عندنا لي سكيزوسيت اوكي هذه الاولى وخص يكونوا البيلوروبين خص تكون طالعه وي هذه الثانيه باقا الثالثه صبروا استاذ نقلب عليها دونك قلنا سكيزوسيت قلنا الاخرى ديال بلاتي 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 سكيزوسيت ماشي البرو Et ça, c'est valable pour toutes les hémolyses qui connaissent les signes biologiques. دونك قلنا البيليروبين وقلنا لي سكيزوسيت وقلنا كرياتينيمي Là, alors ouvre les yeux parce que c'est déjà 10 minutes. Ouvre les yeux, c'est bon. On va débriefer tout à l'heure. Donc, votre score, Halima et Younes, vous sortez 12 questions. Donc, vous avez un score de 12. Ça fait? عرفتينا واش تاد Voilà, c'est un quart de برافو finale. لي زامي Mais franchement, برافو bravo, برافو bravo, franchement, bravo. برافو C'était pas évident, bravo, allez. Donc, on part faire la même chose pour la salle 2. Donc, je prends avec moi coach Ayoub. Je prends X20X. Je prends Zineb. Je prends Si Mohamed Tabak. Et coach Si Mohamed aussi. Alors, Youssef et Zineb, vous êtes prêts? Oui, Ça va être des questions. Chacun en ferme les yeux. Ça fait ou de Mais vous avez le droit de se tromper une seule fois. D'accord? ça Il y aura une seule fois, il n'y a pas les réponses. Ça fait? Mais ce n'est pas open, c'est limité dans le temps. Vous avez maximum 10 minutes. C'est bon? Comme le premier. C'est bon? ça Tu le réponds. je commence. Alors, juste ferme les yeux. Ferme les yeux, Youssef. Et à mon Oui, signe, on va commencer. Top. Youssef, première question. Quelle est la différence entre hémorragie de la délivrance primaire et secondaire? c'est de l'hémorragie de délivrance primaire, c'est-à-dire quand on fait les premières 24 heures. C'est de secondaire, il y a quand on après les 24 heures. Jusqu'à quand? Jusqu'à 6 semaines. Tu es sûr? C'est de jusqu'à 3 mois. Ok, 12 semaines particulières. Alors, question de chauffe, Youssef. Le seul. Cite deux signes cliniques. Prédictif de la sévérité d'une hémorragie de la délivrance. C'est de l'essai prédictif de l'hémorragie de délivrance de sévérité, c'est le rapport PO sur PAS supérieur à 1 ou la tachycardie. Très bien. Question 3. Citez les éléments biologiques orientant vers un syndrome de défibrillation. C'est des éléments biologiques orientant vers un syndrome de défibrillation. On a un TP inférieur à 50%, on a un TCA supérieur à 2,5 fois la normale. Maintenant, Didymer supérieur à 2, fibrinogène inférieur à 1,5, c'est de facteur 2 sur facteur 5 diminué, donc diminué Youssef, sur c'est bon, j'accepte. Il y avait pas mal de mots-clés. C'est bon, j'accepte. Alors, Youssef, Merci. question 4. Quel est l'intérêt du rapport facteur 2 sur facteur 5? C'est de la diminution concomitante de rapport facteur 2 sur facteur 5 oriente vers UC évité. Oui. Cette diminution, ça va, ça? L'azide ou le maquillage concomitant? Euh,
cette coagulopathie. Là, chauffe, on a des bêtes induites à les hémorragies délivrantes. Quel est l'intérêt de ce rapport? Ça oriente vers une CVD là qu'elle a diminué. Qu'est-ce qu'il a diminué au juge? Sinon, il a diminué en rythme 2, c'était une défibrillation. Très bien. Très bien. Question 5. À quoi correspond-il le moyen mnémotechnique 4T? Cette 4T, c'est les étiologies de l'hémorragie délivrance, les étiologies primaires. Cette T, c'est tonne. Tonne, atonie, ce tissu. Thrombine, ton tissu, thrombine, trauma. Très bien. Youssef, tu vas Juste. citer quatre facteurs de risque de l'atonie utérine. C'est quatre facteurs de risque de l'atonie utérine. Utérine. C'est une grossesse jumellaire. C'est un travail prolongé. Utilisation excessive de l'ocytocine. C'est l'utilisation excessive d'hématopoïétiques. Oui, là-bas. Et c'est de l'ocytocine. Tu es sûr? Hématopoïétiques, travail prolongé, grossesse jumellaire. Ok, Youssef. Oui, Radine 2 la prochaine question, en sachant que tu as consommé ton erreur. C'est bon? OK, sir. Yeah. Question 7. À quoi correspond-elle la délivrance dirigée? C'est la délivrance dirigée, l'ocytocine. Quand? C'est de l'ocytocine. Quand est-ce qu'on l'injecte normalement? À quel moment de L'ocytocine, c'est dit non, c'est soit À quel après moment la de l'accouchement? délivrance, C'est ça, soit les chances me dirigent. c'est de Ok, 9 sur ça 20, me c'est fait dire bon. le nom. Ah, qui n'a rien, je sais dire. Cette épaule antérieure, D'accord, le dégagement de l'épaule antérieure, c'est ça? de l'épaule antérieure. Oui, Très merci. bien, ok. Question 8. À quoi correspond-elle la manœuvre de Brands and Andrew? Cette manœuvre, c'est ce qu'il y a, je peux dire, l'attraction prudente le cordon ombilical. Très bien. Question 9. Quelle est la dose maximale d'ocytocine à ne pas dépasser? C'est-à-dire 40. OK. Citez deux choses à faire si l'atonie utérine résiste à l'ocytocine. Ceci résiste à l'ocytocine de prostaglandine, sur le prostone. Quoi d'autre? Sinon, on dirait les manœuvres mécaniques aussi. Halash? Achète C'est les questions de maternité. كتشوف دابا ان شاء الله قلنا قرايه العين باش نتمنى تولي استاذ بدا دير داكشي مزيان علي C'est l'ocyte, cette prostaglandine et quoi ou. d'autre سهلة سهلة تندير ميم دابا تنديرها ميم افيك نو مويان تنديرها Ça سيتي دو شوز افير سي لا توني اوتيرين ريزيست ا لوسيتوسين اون انجيكت لا بروستاغلاندين و تندير واحد حاجه اخرى لاكيل مشات c'est prostaglandine Yalla, c'est pas grave, ouvre les yeux, ouvre les yeux, c'est pas grave. Alors, Zeynep, tu fermes les yeux et on va commencer de la question 11, ça fait? Oui, Zeynep, citez les facteurs pronostiques d'une hémorragie de la délivrance. les facteurs pronostiques, c'est l'anomalie de placentation, la tachycardie supérieure à Tachycardie, 115. ok, tachycardie, Le c'est pour ça que TP c'est ici. inférieur à 50%, Oui. le fibrino inférieur à 2 Oui. et la troponine détectable. Excellente réponse, bravo.
Alors, question 12. Quels sont les critères retenus pour définir le HELLP syndrome? Les critères pour le HELLP syndrome, c'est l'hémolyse Oui. qui contient des schizocystes Juste les et têtes, l'hémolyse, quoi d'autre? l'azote, elle est augmentée et Madame. LDH, elle est augmentée Machitsma aussi. azote élevé, ça veut dire quoi? Qu'il y a quoi? Cytolyse hépatique Très bien. Et troisième et critère. thrombopénie. Très bien. Question 13. Citez cinq éléments biologiques qui orientent vers l'hémolyse. Quels sont les signes biologiques de l'hémolyse? L'effondrement de l'haptoglobine, la thrombopénie, l'effondrement de l'hématocrite. Là, Zéry, Monsieur Ah bon. thrombopénie. Hémolyse, hémolyse. Qu'est-ce qu'on trouve sur la biologie? L'hématocrite, elle est diminuée, Oui. l'haptoglobine est diminuée, Oui. la fibrino, elle est diminuée, Les quoi? la fibrino. Là, on est loin. C'est ça, c'est les globules rouges qui sont cassés. Allez. Une anémie. Ça fait guilty l'hématocrite harta, l'haptoglobine harta, Z. Je pense hémoglobine aussi, qu'est-ce qu'on a hein? C'est normal ce qu'on a mis, oui. Z, bakiliat la tsakhon, le mohimmi. C'est des mots-clés. Mazal ma Est-ce qu'ils ont ghalatish yak. aussi Mazal ma ghalatish yak. la vaseline? Yalla, rendez-vous question numéro 14. C'est bon? Ok, c'est bon. Question 14. Quel doit être le timing de l'interruption de la grossesse chez une partérion qui présente une prééclampsie? Quand est-ce qu'on arrête la grossesse? Immédiatement, la quinte sévère est supérieure à 36 semaines. Et la quinte non sévère, supérieure à 36 semaines, ou la quinte sévère 34 semaines. Audi. La quinte sévère, c'est 34 semaines, et la quinte non sévère, c'est 36 semaines. Audi. Je vais vous dire que l'urgence obstétrique a lieu en demi-préclampsie. Le pas voir au-delà, pas voir ça, c'est une autre histoire. Rythme gauche, ça tout le débat ou là, C'est juste pour la maturation pulmonaire, 48 heures. Ça fait ouvrir les yeux, Zineb. Et votre score, il est de 13. Parce qu'on saute tout à la question. Ça fait? Anti-Zineb, peut-être qu'on m'arrive au-delà de 34 semaines d'aménorrhée. C'est tout. La maturation. On prévoit qu'il est déjà mature. On accompagne, bien sûr, pour la maturation fœtale. Il y a 34 semaines. Donc, si nous suis mais à condition, mais qu'on ait des signes de sévérité. D'accord? Mais votre score est de 13, d'accord? On verra est-ce que c'est suffisant et on va comparer par rapport au binôme 1. C'est bon? Yeah. Donc, on va partir faire le même exercice, mais cette fois-ci avec la salle 3. Je prends avec moi. Bravo, Gimbios, bravo. Ah, ce n'est pas évident, les yeux fermés en plus. Bravo. Hop. عارف شوية وهذه طب ما الدراري تهدنا تمشي بعد عاد عايره ماشي ده لا لا اصل كنا كانت تناقش اصلا جنون شلابية. Alors les amis, ça va être des crocs, yak. Et chacun va répondre avec la série, les yeux fermés. Adib des jobs, j'ai obtenu le droit, Adib de ce sarbon. Mais chacun, il peut se tromper une seule fois. Monsieur Mouchki, ça fait? دونك سي دي اون كيسيون واش اشتغلت Oui. مع دوز حمزه ولا نقدر نكمل انا On continue, ma quinche. اوكي Moi, c'est limité dans le temps, on ne va pas dépasser 10 minutes. 10 minutes, elle est. Alors, qui commence? d'accord Qui commence? بدي انا على Hamza, ça yes. alors, ferme les yeux. Ferme les yeux. Et on commence. C'est bon? d'accord Hamza, première question. Quelle est la différence entre hémorragie de la délivrance primaire et secondaire?
Bon, la différence entre l'hémorragie de la différence primaire et secondaire, c'est en fonction de temps. Donc, primaire, c'est inférieur à 24 heures. Au secondaire, entre 24 heures et 2 semaines. Très bien. Question 2. Citez deux signes cliniques prédictifs de la sévérité d'une hémorragie de la délivrance. Bon, donc on a 2 signes cliniques. D'accord. Donc, Ce sont des constantes. Allez. la tachycardie supérieure à 125. Oui. Ou en présence des signes d'hypoperfusion. Non. Bon. Alors, tachycardie et... Bon. Pression artérielle, c'est PAS inférieur à 90. Là, c'est le rapport tachycardie, le rapport pour PAS inférieur à 1. عاود اش قلت يا سي حمزة؟ Le rapport pour sur pression artérielle plus pression artérielle systolique inférieure à 1. Alors شوف حمزة، حمزة tu as consommé ta chance. لا لا اخلي اخلي، tu as consommé ton erreur. غادي ندوز دابا كيسيون 3، داكو؟ سيتي لا ريبونس اللي D'accord. كنت صافي. ما بقاش عندك دابا اون شانس. Allez. Question 3. Citez les éléments biologiques orientant vers un syndrome de défibrillation. D'accord, donc TCA allongé, donc on a TP bas inférieur à 50%, donc on a fibrinogène inférieur à 1,5, et donc on a le facteur 2 et facteur 2 et facteur 5. Diminution de facteur 2 au facteur 5 normal. À chaque fois que je vide. عاود اش قلت يا حمزة سي با سيفيزون عاود ملو Bon, donc on a TP bas, inférieur à 50%, TCA allongé. Donc on a fibrinogène diminué, des dimères élevés, présence d'ailes complexes solubles. C'est Oh, bon, on c'est bon. a. C'est vrai. D'abord, c'est complet, c'est bon. J'attends les mots-clés. Alors, question 4. La khalik, Hamza. D'accord. Quel est Oui. l'intérêt du rapport facteur 2 sur facteur 5? Bon, pour différencier entre CVD, présence CVD ou non. Il y a 15 facteurs 2, facteur 5, plus je vais en consommer, donc c'est plus CVD. 15 facteurs 2, donc c'est plus donc hémorragie de la différence, seulement de défibrillation. Très bien. Question 5. À quoi correspond-il le moyen mnémotechnique 4T? Bon, 4 TT, première T pour Tony, donc pour la Tony, donc deuxième T pour tissu, troisième T pour trauma, quatrième T pour thrombus. Très bien. Question 6. Citez quatre facteurs de risque pour développer une atonie utérine. Bon, donc on a la grossesse. Donc on a déjà la grossesse 10 000, pas distension utérine. Donc on a aussi donc le travail prolongé. On a chorioamnionite et on a le travail sur le colitique. Très bien. Question 7. À quoi correspond-elle la délivrance dirigée? À délivrance Dirigée, c'est artificielle. quoi? La délivrance dirigée, mais c'est artificielle, dirigée. C'est quoi? Bon, je sais pas. Très bien. Donc, Ali, Ouais, tes lunettes. c'est-à-dire. On a des questions, on est Là, on a testé. une question. Oui, Ok. Question Ah, 8. ok. Ouais, Question 8. oui. À quoi correspond-elle la manœuvre de Brandt and Andrew? Ça, c'est une traction de le cordon ombilical qui va Traction. aider pour faire une dirigeance et une délivrance. Une traction comment? J'ai le cordon ombilical au stade. Oh là, on peut Il est traquer. guidé. Elle est guidée, contrôle. Très bien, bravo. Question 9. Quelle est la Oui. dose maximale d'ocytocine à ne pas dépasser? Je pense que c'est 20 unités par jour. Quelle est la dose maximale d'ocytocine à ne pas dépasser? Dose par jour, là, par dose, là. Non, je Parce que Aucune tu as idée. trouvé une non? 8 000, on dit 8 000 au stade. Oui, unité. Tu as consommé ta chance. On va passer à la question numéro 10. C'est ta dernière chance. Allez, Ouais, ça. question 10. Oui. Citez deux choses à faire si l'atonie utérine résiste à l'ocytocine. Donc, si on a une résistance à l'ocytocine, donc on doit donner donc des prostaglandines à type du cypriostone.
Et on doit mettre donc un ballon de Bakri qui va faire un tamponnement intérieur pour gagner du temps en attendant de faire d'autres prises en Très, charge. très bien. Question 11. Citez Ouais. les facteurs pronostiques d'une hémorragie de la délivrance. Facteur pronostique d'une hémorragie de délivrance. Oui. OK. Ah, عندنا كاين سكور برونوستيك، عندنا تاكيكارديك 115، Oui. عندنا اون انيمي سيفر، Là, l'anémie, là. عندنا تاكيكارديك 115، عندنا ان فيبرينوجين qui est inférieur à 2، Oui. عندنا ان تي بي qui est inférieur à 50، Oui. خاصني حدا، خاصني حدا، قلنا Parce que تاكيكارديك، je vois mal les deux mots-clés que je cherche. تاكيكارديك، قلتي تاكيكاردي، قلتي تيبي، قلتي فيبرينوجين، باقي لك جوج، وهاد لي دو امبورطون، مازال نميك في الاخرين، مي هادو بجوج امبورطون. جوجمون امبورطون. باسكو سا في لا ديفيونس، سي فريمون سا. انسفيزونس رينال. لا. Alors, allez, ouvre les yeux, c'est نسيت bon, c'est bon, نسيت نسيت c'est bon. Donc, votre score, il est de 10. D'accord. Alors, on va partir débriefer parce que le but du jeu, Au c'est point d'apprendre. néant, Ouais, regardez, je fous les scores. Allez, je vais fermer les salles. Je vais me où je suis débat. Ouais, je fous les résultats. Allez. Je suis là, j'étais en téléphone. Alors, Zineb Darawi, comment tu as trouvé nos enfants? تبارك الله عليهم استاذ، راه لي كيسيون صعاب بزاف ماشي ساهلين. نيفو جيد وعاد استاذ، وعاد ابخب انه سادين عينيهم، راه كيمشي لك التركيز. بيان سيغ كاين اللي كيعقل، كاين اللي كيعقل بال بعدك لي ميموريزاسيون مونتال. Et voilà, c'est un cadre final, c'est les meilleurs qui restent. Sur 20, ils sont que 6. Déjà sur les 20, ils étaient les meilleurs de l'année. Ou à 6, ce n'est pas évident. C'est Mohamed Tabar, comment tu as trouvé l'épreuve Loula? C'est pas facile, Sarah, mais bravo, bravo. C'est surtout si on connaît ces situations un peu différentes, DNA, que c'est pas facile à gérer. Mais pas clair, les bravo. Yalla, on va partir. Alors, prenez vos notes, vos hadans, on va partir bosser un peu. Ouais, on goûte comme une bête qui a fait, voilà, relativement mieux que les autres. Allez. Alors, je vais repartager ma présentation. Je ne serai chauffé sur YouTube et Chrome. Chinois. Alors, ben, la première question, c'était Beina. Quelle était la différence entre hémorragie primaire et secondaire? Alors, l'hémorragie de la délivrance, est-ce qu'on sait qu'il y a de la grande différence entre les 3-4 dernières années? L'hémorragie par voie basse et par césarienne. Alors, il y a des questions d'internat ou de résident à écrire. Il n'y a plus de différence entre par voie basse et par voie haute. C'est les mêmes seuils. Par voie basse, c'est 500 pour l'hémorragie normale, hémorragie sévère, 1000. Qu'elle soit par voie basse ou haute. Là, c'est une grande nouveauté, c'est-à-dire que ça fait 3-4 ans, on ne différencie plus entre voie basse et voie haute. Par contre, on différencie entre hémorragie primaire et secondaire. Primaire, ça veut dire quoi? Il apparaît dans les 24 premières heures. Et secondaire, peut-être que l'on a
après 24 heures et ça peut aller jusqu'à 12 semaines. D'accord? En primaire, 0 à 24 heures, secondaire, 24 heures à 12 semaines. Alors, les dossiers cliniques, c'est la fréquence cardiaque et surtout avec le rapport CRBZ. En fait, c'est de la fréquence cardiaque, c'est à la pression artérielle systolique en millimètres de mercure. On a été comme Mitchell, maintenant, tachycardie à 120 et sa pression 90. Donc, 120 sur 90, elle est supérieure à 1. C'est une mauvaise chose. Alors, le syndrome de défibrillation, on peut un simulateur de défibrillation. C'est le fibrinogène, bien sûr, c'est vraiment spécifique de ça. Le TCA allongé, le TP bas, les complexes solubles sont présents, les dimères, et surtout la baisse du rap des deux facteurs de coagulation 2 et le 5. Alors, c'est quoi ce rapport très important à la question de il a un top juge, on est plus orienté vers la CIVD. Il a plus le 2 que le 5, on est plus dans le syndrome de défibrillation. D'accord? Alors, les 4 T, c'est quoi? C'est tendon, tissu, thrombine et trauma, c'est-à-dire des filières génitales. Les facteurs de risque de la tonie utérine, comme d'abord l'utérus distendu, que ce soit par hydramnios ou la grossesse gémellaire ou la macrosomie, ça j'ai oublié ça. Il y a aussi le travail prolongé. Et il y a tout ce qui est inflammatoire, notamment la chorioamniotite, les infections cytomegalovirales, et aussi l'utérus qui a été protocolisé. C'est-à-dire on a forcé sur l'autocolise et du coup, très bizarre. Alors, la délivrance dirigée, alors, il y a certains études qui doivent observer les obstétriciens, c'est que rétiroge l'épaule antérieure, il donne de l'ocytocine. Donc, la délivrance dirigée, c'est quoi? C'est le fait d'injecter l'ocytocine, 5 à 10 unités, soit en intraveineusement, ou là, 10 unités intramusculaires au dégagement de l'épaule antérieure. À de la manœuvre à 10, très importante, c'est la manœuvre de Brandt-Andrews, c'est une traction qui est modérée, contrôlée du cordon ombilical. باش ما تجوش باش ما تجوش بزاف على البلاسانتا وتنوليو في مسائل اخرى داكا لا دوز ماكسيمال سي 40 يونيتي انترناسيونال اي سي سا مارش با اون با باسي على لا بروستاغلاندين اي بيان سور او بالون دو بالوني دو تامبون ماكسيمال لو بالوني دو باكري الو جي سي كو لي جينيكولوج تيدو حاجه اخرى سهله تيدخلوا اون سوند فيزيكال و تيغونفليو لو بالون داكا مي il vaut mieux avoir vraiment le ballonnet de Bakri qui est plus intéressant. Alors, tout à l'heure, je vous disais, surtout à Ali, les mots-clés de cette question-là. Bien sûr, la tachycardie et le TPA, fibrinogène, mais il y a deux mots-clés. Un, les anomalies de placentation, c'est un élément facteur prognostique indépendamment. Donc, il faut le dire. Placenta prévia maternelle. Ou Kinz, ce qui est important, on dose des troponines chez les hépatiens. Allez, être troponine là, clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce choc hémorragique est suffisamment sévère, mais que le cœur il avait vraiment souffert. Quels sont les critères retenus pour définir le HELLP syndrome? Donc, l'hémolyse, la cytolyse et la thrombopénie. Les éléments biologiques, qui je ne me rappelle plus. Donc, il y a les schizocytes, l'hématocrite basse, il fallait dire aussi l'haptoglobine basse et augmentation de LDH. Les globules rouges, ils sont un producteur de LDH et bien sûr la bilirubine indirecte qui est augmentée. Et ça, c'est valable pour toutes les hémolyses. Donc, je répète, hémolyse, comme les schizocytes, l'hématocrite basse, l'haptoglobine bas, augmentation de LDH et la bilirubine indirecte qui est élevée. Quel doit être le timing de l'interruption de la grossesse chez une partenaire présentant une prééclampsie? Alors, normalement, à partir de 34e semaine d'aménorrhée, allez, on passe, il faut faire accoucher la patiente. Basse ou haute, ça c'est une autre discussion, d'accord? Avant 34e semaine d'aménorrhée, tenchoufou. Il y a le temps de la maturation fœtale, mais il y a des complications, là aussi, il faut poser, d'accord? Et la maturation fœtale, car tout est indélébable, la corticothérapie. Les 5 médicaments possibles que nous pouvons utiliser pendant la préclampsie, donc il est vraiment très très élevé, on utilise la nicardipine, sinon médium nicardipine et on peut associer la bétolol, c'est un bêta-bloquant. Et si on a une contre-indication de la bétolol, on peut rajouter de la clonidine. D'accord? Rappelez-vous de ça et écoutez bien ce que j'ai dit. En matière d'urgence obstétricale, c'est un goulot foie et grossesse. Foie et grossesse fait 5 entités.
c'est le HELLP syndrome, mais il y a quatre autres diagnostics différentiels. Les H, le Schacht, ça fout le Schacht, la stéatose hépatique aiguë gravidique, le Schacht. Il y a celui purpura thrombopénique thrombocytopénique. Il y a le CHU. Et il y a l'exacerbation de lupus, qui peut être causée par la grossesse. Les complications possibles d'après éclampsie, avec l'HTA sévère, l'atteinte rénale, l'OAP, quoi d'autre? L'éclampsie, les troubles neurologiques, la thrombopénie sévère, l'hématome rétroplacentaire, le retard de croissance intra-utérin. Alors, comment ça se passe pour la pré-éclampsie? On a un défaut d'invasion trophoplastique, ce qui donne une ischémie placentaire. Et le placenta, quand il est ischémié, il va produire des médiateurs qui sont cytotoxiques. Et ces médiateurs cytotoxiques, ils vont léser l'endothélium maternel un peu partout. Donc, on a des lésions, on a la constitution des microthrombes. Et le fait aussi qu'il y a de l'ischémie placentaire, le fœtus, il va avoir moins d'oxygène, donc il va moins se développer d'une façon correcte, d'où le retard de la croissance intra-utérine. Alors, diurétiques IEC sont contre-indiqués dans la prise en charge de la pré-éclampsie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils aggravent l'hypoperfusion placentaire. Donc, faites attention aux diurétiques IEC quand vous traitez la patiente alors qu'elle est toujours enceinte. Alors, quand on donne un traitement par sulfate de magnésium, on fait attention à quoi? Aux RRT, les réflexes ostéotendineux, le GCS, la fréquence respiratoire et la diurèse. Alors, la diurèse, pourquoi? Ce n'est pas parce que le sulfate il a un effet néfaste sur l'urine, non. C'est juste parce que si la diurèse baisse, on sait que le sulfate de magnésium, il va s'accumuler dans le sang. D'accord? Amen. Alors, finissons, arrêtez le partage. Voilà, c'était comme ça. Alors, à votre avis, qui a eu le meilleur score? Il y a une équipe qui a eu 13, une équipe qui a eu 12, il y a une équipe qui a eu 10, d'accord? Alors, le binôme qui a gagné l'épreuve de confort, c'est Zeynep Youssef. Bravo, vous avez eu 13. Bravo, Zeynep, bravo, Youssef. Très bien. Alors, Zeynep et Youssef, vous allez avoir un confort plus plus. Je vais vous dire c'est quoi par la suite. Alors, la deuxième équipe qui a eu à une question de différence, c'est Halima et Younes. غنبقى للال دي اش حياتي كامله استاذ. صافي هادشي اللي بغينا الى عقلتي بلادي مزيان. Alors, Halima et Younes, vous avez eu 12. D'accord? Donc, vous aurez un confort. D'accord? Et pour Ali et Hamza, vous avez eu le troisième score, donc vous n'aurez pas de confort. D'accord? Alors, tout de suite même, on va passer à l'immunité. Alors, l'immunité, c'est quoi? Vous allez jouer tous les trois un scénario d'abord avec Si Mohamed Tabak. Et Si Mohamed Tabak, il va décider de l'équipe qui a fait moins bien. Fatia Si Mohamed Tabak. Et donc, juge libre, il a un deuxième scénario qui va être dirigé par Zeynep Darawi. Et c'est elle qui va décider qui est l'équipe qui a gagné l'immunité. C'est bon? Le confort maintenant. Alors, Youssef Izine, vous aurez 10 minutes dans le scénario, pas de problème. D'accord? Ouais. Halima Younes, vous aurez 8 minutes. Ali et Hamza, 7 minutes. Ben سات oui, il fallait gagner encore. اوكي Non? تحسن Là, là, quand même, c'est toujours 10, 8, c'est toujours 3 points de différence. D'accord? C'est bon? Alors, on va commencer par Ali et Hamza. Bien sûr, Ali. Je vais réouvrir les salles. Cette minute, ça a qu'à être drôle.
ايه شنو لا الاستاذ هيديروا بناقص الاستاذ. اي معلش اخرج واش بعيد نتفليكس. منها. ها Ben, c'est ça, il fallait gagner le confort. Le confort, c'est toujours bon. Après, est-ce que ça va? C'est bon. Si vous êtes concentré, vous pouvez le faire en 7 minutes, pas de problème. C'est bon? Alors, je vais gérer le scénario. On a notre patient simulé et je demanderai à Si Mohamed de noter tes remarques et tout par rapport aux trois groupes. Parce qu'à la fin, tu vas débriefer d'abord et tu vas nous parler un peu de la pathologie qui est sujet du scénario. C'est bon, Si Mohamed? D'accord. Non, je te connais, ça. Alors, X D'accord. donne X. Tu es là? Soumis. Voilà. L'autre scénario. Ah, bien sûr, je suis déjà dans la sur avec le baignoire. Se cacher le fils de Bayek. Non, ça dit les restes. Il est chasse. Ben, cumule le compteur. Allez, on va commencer. Alors, les amis, 3, 2, 1, let's go. Vous êtes les internes de garde aux urgences obstétricales. Vous recevez une patiente qui vient d'accoucher, qui vient pour accoucher. Go. Le milieu sécurisé d'abord. Allah, 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 Allah. D'accord, le milieu sécurisé. Oui. D'accord, l'âge du patient. Ah, il y a ma'akoum. شحال في عمرك كاش شري عمرك قولي لي عافاك شحال في عمري؟ في عمري 33 عام. 33 عام دونك حنا الناس اللي حنا اطباء اللي نشكلفو بيه قولي شنو المشكل ديالك أنا طبقات لي السقية قبيلة في الدار وجيت دابا واخا الحريق داكور طبيب حاجة دير لي شي حاجة. داكور داكور دونك il part donc les rois sont libres donc fréquence respiratoire Élève. d'accord donc je stoppe la patiente assuration. Alors je vais partager avec vous son moniteur D'accord. officiel. Auscultation pleuro-pulmonaire. Il y a des sucrépitants bilatéraux. D'accord. Est-ce qu'on a des signes de lutte Il lutte un respiratoire? peu. Voici ce moniteur. Allez. D'accord. Nettoie Bon. initial. Bon, Ah, harek, saturation. harek, D'accord. harek. Donc, on a mis sous position de myacite. Bon, oxygénothérapie, masque à haute concentration. Masque à haute concentration, 15 litres. D'accord. Donc, fréquence. Je répète, je vois. D'accord, tout de suite, tout de suite. D'accord. Je repartage استثناء l'écran. فينا وصل بارتا. مزيان ما كنتنفسش مزيان طبيعي داكور دير لي شي حاجه عندي الحريق وما داكور كنتنفسش. داكور بون فريكونس كاردياك دونك بريسيون ارتيريال دونك الى 101 دونك اون فا فير بون دو فوا فينوس بيريفيريك داكور بروفيسور اوكي سي سي معي. بون دونك جي سي اس دونك يل بار دونك جي سي اس 15 15 زيري لي على يد يا شريفه زيري لي على يد انا ها ودير لي شي حاجه داكور راه عندي الحريق وما كنتنفسش. D'accord, les pépés qui dérivent. La maille est devant toi. Ils en ont 2 minutes. D'accord, donc déficit moteur, ma quinze. Sous la maille. Hana. Hana. Vous êtes 2 minutes, D'accord, 2 minutes. c'est bon. D'accord, température. 37. 30 à 30, 30, glycémie au stade. Glycémie capillaire. Un gain. Un gain. D'accord, la douleur, je suis en train de dire, je suis en train de dire, je suis en train Vrai. Andy, c'est pas la chère. بقى على 10 داكور بون ديك امينه غوسه لا بلاش صافي نيجاتيف. بلاش سي بون بلاش دونك داكور Donc, on a des récords. Donc, on a une patiente qui est âgée de 33 ans, donc qui présente une détresse respiratoire et vasculaire. Donc, on a mis une patiente, donc, on a mis deux voies veineuses périphériques. On a mis la patiente en décubitus, en position demi-assise qui est orientée à Le gauche un contrôle peu. du scope débat. Le contrôle du scope avec Alsted. Donc, La on va. concentration, elle baisse. Elle baisse la saturation. Donc, on va faire une vasopressine. On va mettre des voies. Du remplissage, et on va mettre des vasopresseurs. La patiente est D'accord. R9, donc R9, chauffe-eau, la cause ménage. Wesh, la patiente est saine. Ya Rabbi, ya Rabbi, Wesh, Allah, Allah. madame, je vais te rejoindre chez Haja. Je vais te rejoindre aussi avec le انا طرقت لي الصقية باش كنت في شي الدار. حاجة. شحال وصلت في الحمالة؟ شحال دابا جات الحمالة ديالك؟ هادي 40 سيمانة. أربعين سيمانة. واخا أستاذ أون فا دوموندي أون التونسيون ديالها كانت هابطة دونك سي با سا بو با اون بري كرومبسي مي سا بوتر ناشير بير شي حاجه ما خرجش منك الدم مادام ياك واش كلشي بخير؟ شوف انت غادي نجيو اينيكوغرافي ديال الفيتوس افيك دي زو ار سي اف اوستاف داكور لا سي سيف داكور داكور شوف علي راه عندها اون دولور توراسيك ياك يوجعك صدرك
في الحريق ماشي دكور شوف اتونسيون على لومبولي بيلمونيغ ولومبولي امنيوتيك دكور اتونسيون بون بصح سي غادي بون توراكس معاهم استاذ و واخا مدام توراكس ماذا لا كتبيع تبيع لي شي لك حاجه؟ باش تولد شوف بلاتي بلاتي ما ماذا نديروش غادي كتبيع لي توراكس شي حاجه؟ ندير ماذا كتبيع لي شي حاجه؟ سير كتاخدي شي دواء؟ انا اه لا لا ما تنفختش عليك، ما تنفختيش مؤخرا، ما تزيرتيش مؤخرا في النفس؟ ما كنتنفش بسهولة، ما كتنفش كتجيني بسهولة، بحال ما تنفخوش لك رجليك. وشوف ما نعرفش نقول لك، انت الطبيب. صدق اون سكولاسيون كارديك على فكرة شنو فيها؟ سكريبيتون سكريبيتون. شنو غادي نجيو؟ واش بون صدق بون اون شوف كارديك؟ ما عندناش شوف ما ليكو عندناش حنا غرافي، الوقت ليكو بزاف غرافي نمشيو وتغرفي. او تي تي سيرنا لو تي تي اي او اي تي تي اي 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 كيس كيس باس كيس كيس دكور باس سون سندروم دكور اري وي سون كاردياك. دونك دكور عليك سون اري كاردياك شوف سي دكور بون سون انا اري كاردياك. دونك سي je vais gérer la récardiaque. Donc, allez, tu commences لا les مالات compressions. فيرنا Donc, sous غير compression كاردياك par minute. خاصيت. لا allez D'accord, allez sous allez la portion tombe compression. d'écoute حمزة حمزة la portion Donc, tombe واحد d'écoute فيكم latérale يبي gauche. كم vas-y Donc, allez-y. انا غنتكلف la portion tombe d'écoute latérale gauche. Ça devrait حمزة غيجر لوتيريس جي تو. il va être orienté dans une جهة. انا je vais faire le massage cardiaque. il va être في الفوق. Ça va être un peu resitué. Je vais enlever les fils du RCF. Je vais analyser le rythme. On va dire une voie veineuse avec de l'adrénaline en attendant de choper le rythme. Je nous fais. Il est toujours en arrêt cardiaque, allez. La systolie. Oui, monsieur, je suis. Donc, il est en systolie. Donc, c'est rien que le massage cardiaque où je vais donner encore de l'adrénaline au stade. On va dire, après 3-5 minutes, on va dire la deuxième dose de l'adrénaline. Je vais commencer ce massage cardiaque en attendant cette complication. Ça peut être quoi? Ça peut Bon. être. Quoi, ça peut être. Chauffe embolie amniotique, embolie pulmonaire. Carfage, je. C'est un délire de tête. Je Le vais TT, récupérer non. le patient. Le TT, mais là, il n'est pas encore récupéré la malade. Peut-être récupérer le Ah, patient. d'accord. Donc, ça induit deuxième, Aoud dans 3 minutes, ça induit une deuxième dose de l'adrénaline. Très bien. Donc, la patiente, voilà. Vous massez, vous massez, vous massez. Donc, la patiente, elle est là. Donc, le moniteur de contrôle, elle est là. D'accord. Non, Ostéd, mais oh, là, entre-temps, voilà. Ostéd, d'accord. Entre-temps, t'es dans cette MOQ. Les mots MOQ, QGL, non? Il y a 10 grammes. Voilà, d'accord? c'est un D'accord, 10 grammes, d'accord. Atina, Le Atina, TT donc d'abord, le c'est. TT, ça date, le TT. Le TT, d'accord, donc on va faire, on a appelé le cardiologue, il est en train d'arriver. 6 minutes, après la dernière Hamza. D'accord. Donc le TT, donc il y a. Alors le TT, le TT, le TT, elle est là, elle arrive, elle arrive, je vais partager avec vous, le TT est là. Voilà, je vais partager avec vous. Sinon, bon, Assez très bien. haut, donc je t'ai appelé. C'est mention de la pop, donc pas de thrombus visible. Je pense que c'est une insuffisance Embolique, cardiaque. une embolique. Non, une embolie pulmonaire ou là, j'ai pas. D'accord. Là, Donc. chauffe وشرى امنيوتيك حيت ديجا دوفون هاد ديتريس ريسبيراتوار سوا ليموراجي سوا لومبولي امنيوتيك سوا لومبولي بيلمونير غادي Donc, نزيدو TVP. نضمنديو تي في بي نضمنديو Écho des ايكو voies دي مومبر انفيرير membranes inférieures. ايكو C'est شوف l'écho. L'écho des voies membranes inférieures. d'accord دونك سي اون امبولي امنيوتيك المهم اون غوسي Oula, انو دي là, دونك tu امبولي امنيوتيك m'as dit. Oula, ديجا 7 مينوت sans anomalie, donc c'est en faveur de l'embolie amniotique. Bon, امبولي allez, je vais امنيوتيك te dire 3 qu'un. 2, 1, c'est fini, 7 minutes. Bravo, 7 bravo. minutes au stade. 7 minutes au stade. Eh ouais, sur ça, avec la 7 minutes récardiaque, au c'est stade. pas Allah quelque au chose stade. d'ancien. Allah au stade. Maqari les Bravo. génitaux au stade. Rekan. Pas de ça. Rekan au stade. Allah au stade. Nous au stade, Au on verra stade. bien. Mazal Maqari les génitaux au stade. C'est une question de. On va voir les prestations de. Mais c'est pas que là, elle compte déjà. Là, vous avez accueilli la patiente. Vous avez une alimentation, un raisonnement qui était là. Maintenant, on verra par la suite. On verra ce que Mohamed va dire. Allez, on va passer. Je prends tout le monde avec moi à la salle 2. Donc, c'est Mohamed احنا Taber. استاذ احنا استاذ Là, tu m'arrêtes. Aïe, au début, il faut pas d'être ست Bien. مينيت والله كان عندنا 10 مينيت نطرقوا السيناريو دقيقة ايوا أخويا، دقيقة. كان خصك 60 تجاوب دقيقة أخويا. فور أصاحبي. ست لا والله مرة الا خاصة، مرة خاصة إن شاء الله أستاذ. إلا مرة بقينا، مرة إلا مرة خاصة بقينا. ديمي فينا إن شاء الله. ألوغ حليمة يونس، علاش مشيت للصال دو؟ هذا علي حمزة. الحمد لله تخي بيان يوسف فيزين، دونك أنت ما فو مظبوط دافي 10 مينوت، دونك أنت ما غاتمشيو 10 مينوت، سي با كا. حيت دات لانفيرس. دونك أنت ما صحاب 10 مينوت. بيستوني زعما أنت ما ياك. شوية وي الوغ اكس بنت اكس باني عليك الامان. vous la connaissez certainement.
زعما طلعت السن. طلعت ايه البنان هي عرفت واحد ضرب عليك الشده والبنوار لكن فومي غوب سنات في سا المهم انا يلا باسيونت. اكزاكتومون اون بارتي ريان بليتو الوغ شوف زينب اي يوسف بس À partir de mon signal, vous avez 10 minutes pour gérer cette patience. D'accord? Vous verbalisez tout. 3, 2, 1, c'est parti. Écoutez, vous êtes les internes de garde aux urgences obstétricales. Vous recevez cette patiente pour accoucher. Let's go. الله 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 الحرق الحرق يا ربي السلام عليكم يا الشريف، احنا ليكيب دو غارد، دونك سلام. دونك اون سو بروتيج غون بافيت، دونك لا باسيونت ريسبير، دونك الى سون اج قربت شحال في عمرك يا شريفه؟ انا في عمري، انا بنت في عمري 33 عام. شحال وصلتي في الحمالة ديالك؟ هادي قول واحد 40 سيمانة ما جاتني حق الشهر. اوكي دونك زينب كملي لي زابي سي دي من غير ان دونك Donc, il passe en il parle déjà, donc, et ouais, sans lire, le breathing, fréquence respiratoire. Il est... Alors, je vais la scoper. Okay. Allah, 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 ya Rabbi, ya Rabbi. Il est à 20 au départ. Ouais. Alors, saturation. Donc, je vais vous montrer le scope qu'il a. On met la patiente en décubitus latéral gauche. OK. Ça, c'est si Mohamed qui est notre ANRL. Je vous aide pour le monitorage. D'accord. Le scope de la patiente, le scope. On met la patiente sous masque à haute concentration, 10 litres. Qu'est-ce qu'il dessine de lutte? Non. Qu'est-ce qu'il dessine de l'hypoxémie, l'hypercapnie? Non, non. Auscultation pulmonaire? Il y a des sous-crépitants. Sous-crépitants, ok. Pour le point 9, la fréquence on met un remplissage, la patiente, voie veineuse périphérique, et 20 cc par minute, par kilo, elle a 20 minutes. Qui est signes de reperfusion, pâleur, marbrure, froideur des extrémités? Non, non. Auscultation cardiaque? Normal. Elle est normale. Il a quand même je vais vous sur température. Bien sûr, la température 37,2. Pour l'UGCS, Chérifa, Chérifa, il est ما درتيش شي كريز وحسيتي براسك تحتي ما قالوهالكش؟ لا لا يا ربي راسك كيحرقك؟ لا لا كاين عندك الحريق؟ ما شوية كان ما كتنفسش احنا درناك الاكسجين حط الاكسجين استاذ عفاك لاغليسيمي شحال؟ اوكي دكتور يوسف تو بو كونتينيو؟ اوكي امتى بدا كتشتي الشريفه امتى بدا الحريق؟ هادي واحد شوية امتى بالضبط؟ ما تقريبا فين عندك بالضبط؟ واش كاين في بلاصة واحدة ولا كيمشي لشي بلاصة أخرى؟ عندي الحرق هنا وفي بحال نهج ما كنقدرش نتنفس اوكي فدير لي اوكي شي حاجة واش ولد كدوي على شي حاجة الشريفة كدوي على شي حاجة؟ لا اوكي دونك نديرو من 0 ل 10 شحال الدولور شحال الألم؟ ولدي لاباس عليه من 0 ل 10 شحال الألم؟ واحد 7/10 بحال هكاك. اوكي نقدروا نديروا تيتراسيون المورفين استاذ اوكي واش كدوي على شي حاجه شريفه؟ لا كدوي على شي ما كتاكليش ما كتاكليش حتى شي دواء لا اوكي انا دونك اون كومونس باغ لو سي جي نديروا ان سي جي راديو توراس Alors, je demande quoi, le CG? Le CG. Radio de thorax, c'est difficile le bloc lobe citrique. Là, ça me dit le CG, le CG. Ok, le CG, je le fais tout de suite. Et je le partage avec vous. On est à 4 minutes. Alors, la patiente, il fait un arrêt cardiaque. La patiente fait un arrêt cardiaque.
Une épidémie de la Alors, poitrine. on met la patiente sur un plan dur. Et donc, Voilà son scope. Allez, on voilà son commence le scope. massage cardiaque, on scope la patiente. Voilà son scope. Il est en train de faire un arrêt On cardiaque. commence le massage cardiaque à raison de 100 à 120 compressions par minute Massage cardiaque en cours, allez. à chaque 30 Il n'y a compressions. pas le rythme, donc il est non choquable. Donc, on Voici le commence scope. l'adrénaline à 1 mg. 1 Et mg. on 1 change une mg minute. d'adré, on commence. Adrénaline injectée. Allez-y, continue. Donc, chaque adré, chaque 3 minutes, à Barthes la troisième fois. OK, donc, on dit l'adré. Donc, là, les étiologies. Les ionogrammes, bien là? L'ionogramme, on est en train de masser la patiente, on ne peut pas la prélever. Tout le monde est en train de OK, masser. On est en train de la masser. là, je redirai l'arrêt. Massage en cours. Massage en cours. Tac, tac, tac. 1 mg d'adrénaline chaque 2-3 passes. Adrénaline passée, les massages en cours. Le rythme n'est pas encore choquable. نزيد 1 ميليغرام دادرينالين وحده اخرى من بعد دو Un دو سيكل. milligramme donné aussi, d'accord, très bien. La troisième fois, ça dure la tropine. 300 mg. Je vais donner un arrêt. Ça nous donne demander d'autres. On peut rien donner, on est en train de la masser, ben, le temps de récupérer. On est en train de la masser. Ça donc refait à 1 000 mg. Ok, l'adrénaline est Ça fait les passée. chocs. Très bien, très bien, très bien. Je pense que la patiente est en train de récupérer. Voici son scope maintenant. La patiente vient de récupérer. Ouais. Donc on fait quoi? La patiente vient de récupérer. Voici son scope. Allez. Donc cette personne que voilà, elle a fait le Voilà le elle scope a de fait la l'arrêt. récupération. OK, Le c'est le TT là, faut je dire le TT. Bien sûr, donc on a appelé, ouais, on est en train de faire les TT. On va le partager tout de suite avec vous au lit du malade. Voilà, le TT, elle est déjà présent. Voilà, on peut voir tout de suite le résultat de TT. Je me suis le CG, j'ai déjà ma le CG. Après, on attaque le siège. Voici le TT. OK. Inscrit à droite, Cette fois, je le HTAP. sais, date l'arrêt cardiaque, mais je vous, dès que vous finissez les Instrument copains, on a fait visuel. combien de CG? Donc HTAP. Est-ce que je peux dire embolie pulmonaire? Qu'est-ce un thrombus visible? HTAP. OK, ça nous chauffe. Je Non, vous Jean, le redemande le CG. nom. Le CG? Enfin, le CG? Veux-tu le CG, Koubiliatiak? Ou la lombe, ou les amnésiques, il y a qu'est-ce qu'on a de la différence. Qu'est-ce Ok, que une c'est? cheveux, CG ou c'est ça, c'est Bédimère? ça. Le CG, une cheveux d'Illimer. Donc, l'aspect S1Q3. Donc, là, ma quinche. Donc, c'est Bon. l'aspect, donc, le rythme est régulier. Là, ça va, on passe, on dira, Vous voulez on va quoi? donner le TT. C'est les Didimer, un cheveu d'Illimer. Les démarches sont négatives. C'est l'ionogramme. J'ai L'ionogramme, on va piquer hypercalémie. la patiente tout de suite. Je le mets sur tube rouge. Et voilà l'ionogramme qui vient de sortir sur le système. Voilà. Il y a déjà insuffisance rénale. CRP 80. OK. Hémocchio, elle est à 10 grammes d'hémoglobine. Bien. OK. Bouche la baisse. Je peux pas aller en stade. Non? Je joue le rythme au stade. Le BCF, je joue le BCF au stade. Ça fait Wildat. Oulzat. Ou ça, je peux pas aller de l'ours. 1 minute 15 secondes. On est à 8. Donc, ma quinche embolie pulmonaire, HTAP. C'est-à-dire qu'on embolie amniotique. OK, comment on va diagnostiquer? OK, récap à Zine. Donc, une patiente qui se présente, il a 33 ans.
40 semaines d'aménorrhée, la fréquence, on a fait un monitorage de la fréquence respi et on a fait un remplissage pour l'hémodynamique. Maintenant, elle est stabilisée. Elle a fait un ACR au bout de la BCDE. On a stabilisé la patiente par la suite. On a fait un ECG et les sangs anomalies. On a fait un ETT qui a présenté une insuffisance cardiaque droite avec un HTAP. L'hémoQ, elle est normale et voilà. Donc, l'ionogramme, avec CRP qui a augmenté. Oustad, nous pouvons dire pour diagnostiquer l'embolie amniotique, lavage bronchoalvéolaire. Très bien. Oui, mais d'abord, il est toujours intubé ventilé. On vient de la récupérer. OK. Quand il va s'en sortir, on peut le faire, le lavage. C'est quel un globe? C'est quel un globe? Mais non. Alors, très Après bien. le. 3, 2, 1. Et c'est fini les 10 minutes. Très bien. Bravo. Bien. C'est pas évident. Bravo, les amis. Il doit changer de métier, je pense, Soumya. Et on va partir Merci tous ensemble à la salle 1 cette pour danse. acheter. Alors, je prends Droui, je prends Taver, Zineb aussi, Coach Ayo et X20X. Alors, Halim et Younes, vous êtes là, vous êtes les derniers à passer. Et vous avez 8 minutes. D'accord? Oui, Oustad. Donc, à partir de mon signal, on va commencer. Vous avez une patiente simulée de luxe. Ben, y a Ali qui amène, Soumia, bien sûr. Ça, c'est quoi? De la Aïe, patiente. aïe, Alors, pour Zineb Darawi Mohamed Tabar, Soumia, elle était avec nous aussi cette année. Elle est de la FMPR. Elle a fait un très joli parcours. Barakallah. Alors, revenons sur sérieuse. Alors, Halima Younes, je vais chronométrer 8 minutes, d'accord? Oui. Anna, je suis là, je veux dans les bilans, chez Haja, mais celui qui note, c'est Mohamed Tabar. Ça fait, moi, je guide le scénario. Vous avez besoin de quoi que ce soit? Doumahia, c'est la patiente simulée. Ça fait? C'est. D'accord. Alors, 3, 2, 1. Vous êtes les internes de garde aux urgences obstétricales. Vous recevez cette patiente pour un accouchement. Go! الله يا ربي الله يا ربي الله كلمة. الطبيب. السلام عليكم يا شريفة. السلام عليكم. عليكم السلام. عندك من عام؟ أنا بنت في عمري 33 عام، بنت الثمانينات. الله 30 يا عام. ربي. شحال عندك من شهر دابا؟ أنا شهر هادي 40 واش سمانة، دخلتي شهرك؟ هادي 40 سمانة باش حبست لي حق الشهر. لالا أي 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 واحد الحريق. داكوغ. واش قررت نولد الطبيب؟ يونس ديال دونك لابيس. دونك الاروي تشيك غادي جبل بريدين هنا الفريكونس ريسبيراتوار Elle a 20 cycles. 20 سيكل سيني دو لوت ريسبيراتوار قولي لا لا كاينين اوستاد سيني دو لوت Non, pas ريسبيراتوار vraiment. Mais... ما كاينينش سيانوز Non, pas vraiment. اوسكولتاسيون كارديو-بولمونير شحال ديالها Il a des sous-crépitants bilatéraux. sous-crépitants bilatéraux Oui. ربي الله يا ربي كموت L'oxymètre chalazina. Alors, je scope la patiente et je partage avec vous le scope. C'est bon? OK. Voilà le scope initial. يا ربي Le scope. Donc, maintenant, saturation. Donc, Radin-Diro, une position demi-assise, masque haute concentration, 10 litres. Fréquence cardiaque, PA. Qu'est-ce là? كنسمعك ما كتنفسش مزيان. هلا دونك مصطفى واخا دابا درنا ليك الاكسجين ما كتنفسيش مزيان شوية شوية حسن ولكن مازال دونك كولوراسيون نورمال. نورمال لي بو سيميتريك وي مزيان سين دو مال بيرفيزيون بيريفيريك نو 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 واحد الحراك اوكي فيا الله يا ربي. واخا ليكوكارديوسكوب شاطينا فوالا إلي ديفون فو دونك كموت حاجة فيا الحريقة الطبيب سي أس ميزا سي ميزا سي هلاك ميزا دونك غلاسكو كتسمعيني لا لا كتحلي عينيك كان سمعك سيدي كدير لي شي حاجة ما تخلينيش هكا حل عينيك ياك وي وي حل حل اشتهى دونك ناقص الله يا مزيان يا يا مزيان يا شدي لي في يدي هزي يديك هزي يديك
كتزيد ديك الله مزيان. الله يا لي بوبي اوسيت الله يا ربي الله الله يا ربي ترانكيل ترانكيل نورمال. دونك ديفيسيت نورولوجيك كونفولسيون سولها ديكستروسكو الله يا العضله. ربي الله. سولها مالاد ديفيسيت واحد خرج. نورولوجيك يتما ميت عليك شي جهه ولا شي حاجه. لا لا بكل شيء مزيان، ما ميت علي لا ردي لا رجلي فيها غير. ياك ما تحطي وكتركلي ديك الساعات لا 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 وافا انا طرقت لي ديكستروس شحال عطينا؟ ان كان لا دولور. الله قولي يرحمه. لا من واحد ل 10 شحال هي الحريق اللي عندك من واحد ل 10؟ واحد تقريبا واحد 7 على 10 هكاك. الله يا ربي 7 على الله 10 كم واخا. لا تمبيراتور 37. حسب الخنقة. 37 غادي نديروا ليها مورفين بور كالمي لا دولور. حليمة D'accord, je fais la récap. Donc, on a une patiente de 33 ans qui vient pour accouchement. Elle est instable sur le plan respiratoire et hémodynamique. On la met sous position demi-assise avec masque à haute concentration et titration de morphine. D'accord, madame, vous avez dit qu'il y a 40 semaines pour que vous puissiez la régler. le scope de contrôle de la Allah patiente. Saturation, y a. peut-être. Yeah. Des ceintures, même l'oxygène. Oui. فيا الطويعة وفيا الضيق ما كتنفسش مزيان. الله يا ربي الله يا ربي ما كتنفسيش مزيان دابا؟ شوية أحسن كتسمعيني؟ ولكن مازال كنسمعك. دونك حليمة بنتي لا طونسيون هابطة بزاف Et la désaturation aussi. و ديساتوراسيون ميم بلوكسيجين. Alors, la patiente واش n'est plus نديرو؟ là, la patiente fait un arrêt cardiaque, la D'accord, patiente fait un arrêt on fait le cardiaque. massage cardiaque. Donc, réanimation cardio-respiratoire, l'oxygène kain déjà, Voilà. défibrillateur hdana. Donc, le rythme, واش شوكاب ولا لا. Le scope il est devant vous et Halima il est en train de masser. Très bien, Halima. Donc, مازال غادي وصا non نديرو شوكاب. انجكسيون دادرينالين. نكملوا. OK. انجكسيون دادرينالين. Adrénaline injectée. Injecté. De ce qu'une surprise ou pas. Non, non, le scope est Mazel. toujours devant. Allez, Barik Thomas, Demna. Thomas, allez. Waha. Thomas, je vais vous Calcule aider, l'adrénaline Halima. tous les Je prends le 35 relais du minutes. massage. Halima, je prends le relais du massage. D'accord. Donc, l'adrénaline tous les 5, les 3 à 5 minutes. Après, 3 minutes, On mais a. on a donné l'adrénaline. Je masse, moi. Au stade au Morphine. stade de notre défibrillateur. Le rythme n'est pas choquable. Si vous Là, voulez. le rythme n'est pas choquable. Intubation ou le capnon? La patiente est intubée et capnon mise en place. Intubé. Très bien. Allez, elle est Barinon encore. choquable. Elle est toujours en arrêt cardiaque. Je masse. Allez, je masse. L'adrénaline, Bari qui 12. Après qu'il use l'adré, je masse. Le relais par dobutamine. Vous me dites, moi j'exécute. Younes, ndir le dobutamine. Ok. Je masse. Allez, la patiente. Alors, elle est intubée, ventilée, et j'ai l'impression qu'il vient de. Alors, non, Chocable. non, non. On vient, je pense, de reprendre un petit rythme, je pense. Allez. Ok, donc, un petit... donc on choque Halima. Non, c'est son rythme. Là, ça fait elle a repris. Ah, il a repris. Ça fait bien. Donc, au stade, madame, on ne peut pas faire avec l'interrogatoire. On ne Non, peut pas d'abord, faire ça fait un l'interrogatoire. tube et ça. Au stade, on fait une échographie. Échographie 2. Échographie éco-pelvienne. Elle vient. Parce que je vois Alors, l'état de fœtus. on vient de la césariser, c'est bon. Elle a été déjà césarisée. Césarise. Donc, Oustad, attends, je vais ouvrir un ECG, Oustad. le CG, d'accord. Donc, je suis en train de ECG. verser les sangles, les ventouses, et je vais vous montrer. ECG ou le gaz du cendre, il y a Oustad Menbet. Il a quelqu'un. Elle a l'air simple, là-dessus. Alors, le CG, ben, non, voilà votre CG. Donc, je pense à un écho-cœur. Gaz ou l'écho-cœur? Là, C'est de la l'écho-cœur aussi. gazométrie. Ah, ça fait l'écho-cœur. Écho-cœur, ma prochaine Halima. L'écho-cœur? Ah. Oui.
Alors, je suis en train de faire les coqueurs dans le bloc opératoire. Voici les coqueurs. Insuffisance ventriculaire droite avec un Sont stéage altérés pulmonaires par des thrombus visibles. de thrombus. Échodoppler les membres. Doppler du membre inférieur? Oui. Ouais. Alors, ah, moi, c'est juste en haut. Sans anomalie. Sans anomalie. Et alors, allez, comment? 3, 2, 1, c'est fini. ما كافياش جوج ست ميات دقائق Voilà, برافو yeah, دي كريد. برافو برافو المهم المهم ما هذاك ماتش في مهم. يدي يا استاذ لا ما ماتش تمشي مهم. عندكم وديك الساعة حتى انا باش مهني دابا بخير، ما غادي نحكم بيناتكم والو، بخير مهني راسي. سي محمد تبارك فوالا تي كومونتي دون فاسون جينيرال، وعاد من بعد قلنا كي ليكيب كي موان بيان في كو لي دوزون لي كومونتي سان سيبلي اون ايكيب او دون دون فاسون جينيرال، كيل ايتي لا سيتياسيون، كو فوتيل فير، ايتترا. علي وعاد 5 مينوت، علي. D'accord. Donc initialement, je veux féliciter les équipes, les trois équipes. Ce n'est pas une situation facile, c'est une situation très calme qui est un peu particulière. Si je parle de façon générale, dans la totalité, les trois équipes, bien sûr, ont bien travaillé, que ce soit sur la présentation sur l'étape initiale, l'évaluation des fonctions vitales, monitorage, mise en condition, ce qui est basique et ce qui est standard et fait par toutes les équipes. Il y a bien sûr des petites différences sur tout ce côté recherche éthiologique, recherche plutôt et bilan éthiologique. Aussi, bien sûr, ça affecte la phase de traitement. Si tu parles de la pathologie ou bien Oui, c'est juste exact. Oui. la pathologie. Alors, c'était quoi D'accord. les pathologies justement chez cette patiente? C'était quel scénario? Voilà, c'était les scénarios de d'une embolie amniotique Alors, c'est quoi chez. cette embolie amniotique? Vas-y. Voilà, c'est une urgence obstétricale, bien sûr qui affecte la femme enceinte, surtout au moment, bien au temps de travail, bien juste après. Il est évoqué principalement lorsque la patiente présente de détresse, stress respiratoire et circulatoire. Et bien sûr, bien après élimination des autres diagnostics, parce que ça reste un diagnostic d'élimination. Il n'y a pas d'effet sur d'argument de diagnostic certitude, mais surtout, c'est un diagnostic rétrospectif. Ça Okay. veut dire, on évoque les diagnostics principaux. Alors, si par exemple, notre cas, c'était un arrêt cardio-circulatoire, c'est plutôt le cas critique de notre malade. Donc, on évoque les étiologies de l'arrêt cardio-respiratoire chez la femme enceinte, on l'élimine, et par la suite, on peut retenir notre diagnostic de l'embolie myocardique. Si on parle des diagnostics évoqués, c'est principalement le ABCD EGF. Donc, si le A, c'est bien sûr un problème d'anesthésie, les deux principaux, soit intoxication aux anesthésiques locaux ou bien une rachianesthésie totale. Le B, c'est le bleeding, c'est surtout bien sûr les hémorragies. L'hémorragie plutôt de la défense, bien hémorragie au moment de travail. Le C, surtout cardiovasculaire, ce qui est cardiopathie, que ce soit péripartum, bien que ce soit de stress. Le D, c'est les drugs, bien sûr, ce sont les médicaments, soi-disant intoxication, sulfate de magnésium, surtout une patiente préclampsique qu'on vient de commencer bien d'administrer le sulfate de magnésium. Le E, c'est les deux principaux diagnostics, c'est l'embolie pulmonaire, l'embolie amniotique à côté, le diagnostic de notre cas. On est le E. Le F, c'est la fièvre, bien sûr, cas de sepsis. Le G, c'est général, c'est métabolique, comme la dyscalémie. Et le H, le dernier, c'est surtout HTA, en cas de prééclampsie, éclampsie, complication de prééclampsie en général. Alors, est-ce qu'il y a des particularités à la réanimation cardio-pulmonaire chez la femme enceinte? Effectivement, lorsqu'on commence le massage cardiaque externe, c'est avec les modalités. Donc, le massage cardiaque externe, en premier, on essaie de placer la malade en décubitus latéral gauche,
simplement, ça permet de libérer l'axe du cas, bien sûr, la veine cave inférieure. Ça permet, bien sûr, de restituer le débit cardiaque. Et deuxième chose, c'est que parmi les modalités, il faut essayer de faire un massage cardiaque externe dans la moitié du sternum. Bien sûr, c'est un plus haut, simplement parce que la femme enceinte donc, présente une surélévation du diaphragme le fait, ou bien par le fait de la grossesse. Très bien. Alors, si on a bien retenu de ce scénario, deux choses, les amis. Donc, un, les causes de l'arrêt cardiaque chez la femme enceinte, qui m'a gueulé comme si Mohamed, ils sont résumés dans le A, B, C, D, E, F, G, H. Après, les causes de l'arrêt cardiaque, A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, le A, c'est, ils sont dus à l'anesthésie, anesthésia. Yaka. Oui, Le B, c'est blood pressure, c'est-à-dire un état de choc, comme les cardiopathies du péripartum. Le C, c'est tout ce qui a un rapport avec la conscience. Le D, drugs, c'est tout ce qui a un rapport avec les intoxications. Le E, c'était le sujet du scénario proposé par Simon, mais c'est embolisme, que ce soit gazeux, fibrinocryliaque ou amniotique, comme c'était le cas. Le F, c'est fever, c'est-à-dire tout ce qui est cause infectieuse. Le G, c'est les causes générales. Comme chez un donc les six cités, ou le H, c'est l'HTA, ça veut dire c'est la pré-éclampsie. L'embolie amniotique, c'est un faisceau d'Aguimau, il n'y a pas de choses qu'on peut faire. C'est vrai qu'on peut faire le lavage bronchoalvéolaire, mais c'est vraiment, c'est pas évident, parce que la situation est très, très grave au départ. Donc c'est un faisceau d'Aguimau. Tout ce qu'on peut faire, c'est une échographie au lieu du mal à tête, c'est une écho-hémodynamique. L'embolie amniotique, on y pense quand une patiente vient pour accoucher, qu'il va bien, elle crie et d'un certain coup, il fait un collapse, voire un arrêt cardiaque. Comment ça tue? De deux façons. Il y a la cause mécanique, ça veut dire quoi? Avec les cheveux ou avec les sébum qui désouffle la circulation veineuse maternelle et il bloque le lit pulmonaire. Mais il faut savoir aussi que avec les particules liquides amniotiques qui désouffle le sang, il crée un effet inflammatoire. Et la patiente commence à saigner beaucoup. Donc, flou, c'est la détresse respiratoire. En même temps, elle peut être saignée. Quand une femme enceinte qui m'a dit comme si Mohamed fait un arrêt cardiaque, il faut respecter des choses. Il faut l'intuber rapidement. D'accord? Il faut faire un massage cardiaque plus haut situé. Mais elle est sainte volumineuse, mais une question. Il est qu'un RCF, il faut l'enlever. On peut récliner l'utérus à gauche pour libérer la veine cave. Mais un truc que je n'ai pas entendu des trois équipes, c'est qu'il faut rapidement appeler l'obstétricien. Pourquoi? Parce qu'il faut l'appeler à la quatrième minute pour faire. Il est maquenchouldat déjà, on fait une césarienne de sauvetage. Pas de sauvetage fœtal, mais on sauve la maman pour libérer pour libérer c'est-à-dire le syndrome de compression utérocaine. Voilà. C'est déjà à partir de 4 minutes de massage cardiaque externe en fil avec stressant, surtout lorsque la grossesse fait plus de 20 semaines d'aménorrhée, ou bien juste si on n'a pas l'âge estimé correctement. Bien, on peut déjà c'est le térus. Déplacement oblique, l'indication est là. Très bien. Et c'est un accident qui est gravissime, qu'il faut faire attention à la femme enceinte quand il accouche. Alors, si Mohamed, c'est le moment de décider qui est l'équipe qui a la moins bien performée. Juste une seule équipe. C'est un peu difficile. J'ai essayé de faire un score. Donc chaque item et chaque étape faite, on fait une notation de 0 à 2. J'ai essayé de faire le kit ABC. Bien sûr, c'est un peu anonyme. Donc, le A, il a bien travaillé, surtout que c'est un passage qui est systématique, un passage bien raisonné. On passe du plus simple, c'est d'étape par étape. Plutôt l'équipe B aussi, mais il y a des petites différences entre A et B. La dernière équipe, c'est l'équipe C. Alors, il y a une équipe qui n'a pas évoqué franchement le. Oui. Alors, donc c'est l'équipe qui n'a pas évoqué carrément le. Donc, Oui, cette. Oui, de la moins l'amniotique. performante. Oui, c'est la moins performante. Très bien. Alors, l'équipe qui ne va pas partir à la deuxième étape, c'est la troisième équipe qui c'était Halima et Younes. Le moins bon.
Le moins bon scénario, c'était Halima Younes. D'accord? Désolé. Et là, on va partir. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à vous. Merci à vous, ça fait Et là, grand, on va vraiment plaisir. passer à la finale Merci, entre docteur. les deux. Et ça, c'est le. Voilà, c'est. Je vais te demander par la suite, Zineb, de bien faire attention à la prestation des deux équipes. Et c'est elle qui va décider entre vous deux. D'accord? Bien sûr. Parce qu'ils ont des points forts. Ben, il fallait gagner le confort, cher ami. Si Hamza rate même la deuxième question, alors que. استاذ كوس Pour quelqu'un. استاذ غير خدام غير بصفة عملية Hamza, فاجئتني dans l'autre sens. Même deuxième question, c'est laquelle? Yalla, c'est. On va commencer par. On va réouvrir les salles. Et le temps d'ouvrir le scénario à faire comme 2 secondes. On y met 2 secondes. باخر مهني بعد هذه الحلقة ما نضرب مع حد هما اللي خايبين زينب والسي محمد طيبة هما اللي خايبين اليوم انا ظريف دونك جو في كومونسي انكور اون فوا باغ علي اي حمزة انت ما خضش تواز الله اكبر استاذ زعما الا باقي باقي انت عاد استاذ بعد الخطا خمسة تكون كانت عندنا 10 دقائق في هذا السيناريو كنت نديرو اسبوع للدري ونخرجه ولا ولا غنديروا السبوع المحاضرة لهذا فعلا الغيزي صافي ولدها Alors, je prends si Mohamed Drouich. Déplacé vers la salle 3. Tabakim Daraoui, bien sûr. Coach Ayo. Et X20X. Et moi, je pars. يلا 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 ما تخش اكس من اكس تويلا وي او ثاني وي استاذ لي زامي دونك فو افي 7 مينوت انا عندي غير الكرونو دقيقة أستاذ ان جو 3 2 1 جو كومونس لو كرونو جينا الأولين أستاذ حل كيسكو جينا لا الأولين خمسة دور لا أبخيك 3 أستاذ 2 1 Très bien. داكور السلام عليكم لاله Vous êtes les السلام internes de عليكم garde. اسمع, vous êtes les internes de garde aux urgences pédiatriques. Vous recevez cette patiente qui arrive avec son enfant. Son enfant, il est âgé de 8 ans. Allez-y. دونك السلام عليكم لاله سواش الميليو السلام سيكوريزي عليكم Oui. السلام الميليو عليكم سيكوريزي لاله شنو المشكل الدري ولدي جبتو نادو ليه شي حوايج هنا في رجليه بحال شوف شنو خرج ليه ها سيدي واخا الدري واش فايق يقدر يدوي معايا وي دونك وحده يبقى اريان سون ليبر وي داكور دونك سنقدر نسكوبي لو مالاد ونشوف واش لابارونس ديالو كي داير واش لي هادشي خطير واخا لا لاباس نورمال بيه نورمال لونفون نشوف فين الدري نورمال لونفون لي نورمال داكور استاذ لو سكوب ديالو عافاك استاذ alors on va و le scoper tout de suite بلاتي وي اون ساتوراسيون عافاك استاذ و بين اوسكولتي استاذ عافاك Ah ouais, bah, le scope pour l'eau, je partage avec vous le scope. Voilà le scope. Le scope de la saturation de l'oxygène, respiration 45, je pense qu'elle est normale pour son âge. Céline, je pense qu'elle est normale, mais je suis en Je vais avec Hamza, les consensus sont normales pour l'âge. En attendant, un cumul interne. Lorsqu'il va s'en dire, c'est avec. Il est pas capnique, il est pas capnique, ou il est Les sur dates sont normales. l'ampliation thoracique de l'oxygène, les symétriques normales. Symétrique. D'accord, c'est de la circulation diallo, ou est-ce qu'il y a un problème de perfusion périphérique? Non, non. Non, ma kinesh au stade. D'accord, c'est de l'époux dialogue chez les présents. Oui. Les symétriques. Oui. D'accord, donc c'est bien. D'accord, donc la pression de l'homziana, c'est de la glycémie dialogue avec au stade. Un grand. La température de l'homziana, les pupilles, c'est avec. On est un chauffeur, madame. C'est avec une bombe urinaire, même d'abord. شوف هادشي اللي في رجلي هادشي راه جاني واخا. بزاف واخا. سيدي جو بي كومون حمزه فا كومونسي دونك لا لا كونتاتور شوف دو قلنا فانيل بعدا شنو بلاتي قلنا شنو راه في رجليه ورنا عندنا اي فوطه ولا شي حاجه نشوفوا شنو عند في رجليه باش الو نتوريونطا الى ان بيربيرا داكوغ الي ابيريتيك الى ابيريتيك وي
D'accord, il a un purpura. C'est l'interrogatoire à Ali. D'accord, Il a des petits choux au niveau des membres inférieurs. ما دام انت بدا هذا الشيء هذا ده هادشي يلاه مؤخرا هادي شحال هكاك تقريبا مدام شحال تقريبا شي يومين. شي يومين واخا واش عند واش كيعاني من شي حساسيه هذا لا واخا ما تداوي عليه شي حاجه تبع عليه شي حاجه شي مشكل ديال الكلاوي ولا شي حاجه لا لا كيروح ولدي شي كان دواء خلاص محتار ما بلاي هادشي هذا في رجليه ما عرفت منين جا. واخا هاد الدري هذا عنده شي خوتو واه عنده عنده خوتو يعني والدة تبارك الله جوج البنات وجوج دراري اخرين. واخا دونك واش الدري واش الدري واش عندك مشكل نقول شي خوش بعد الخوتو قريب حكم هذا المشكل هذا لا هو واخا الاول اللي وقع بحال هاد اللعبات اللي عنده في رجله واش انفيكسيون كيكبر ريسون انفيكسيون ريسون انفيكسيون ريسون سير. واش هاد الشيء اللي عنده في رجله كيكبر كيفاش كيكبر هو عنده واش كان بحال شي هكا وشي رابيدمون عالي رابيدمون واخا واش رابيدمون واش كان مريضة انفيكسيون ديما ريسبون. تلخا كان مريضة ديما تلخا كان فيه شي رواح هو شي ضغوط هادي شو السيمانة تقريبا اها ضربوا البرد ضربوا وطاح البرد طاح اها طاح واحد داكور الطاقة خايبة وضربوا البرد ما دير الفاكسان ديالو وعنده وباس على اكزامان بيبي. كلينيك عالي في الساعة وباس على واخا اكزامان كلينيك سي تو داكور كومونسا راه لي مشى اكزام لنا الوقت داكور ها عندك هو اكزامان كوتاني باش شنو في ابار البيركتورو يا ريان دي حميزة بيتي شي او نيفو دي مبغى انفيريور سي حميزة دولو غابدومينو راه داكور احتقال تاعك دولو سي غابدومينو بون راه واخا احتقال عليهم هذه الكلمه مهضومين واش عندنا هيباتوميغالي نو واش عندنا سبينوميغالي نو الكلمه ارتيكولار لي زارتيكولاسيون كي دايرين بان ils sont libres. سكون ليبر داكو سون با دولوغو نو 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 pas vraiment. داكو دونك اوسكيلاسيون بلورو بيلمونير نورمال اوسكيلاسيون كارديك نورمال Oui. داكو اكزامان او ار ال Il n'y a rien. اكزامان غونغليونير Et un ganglionnaire libre. ابدومينال ابدومينال داكو ابدومينال ليبر بوندي تيرينا Alors, bandite نورمال urinaire, on n'a pas de bandite urinaire malheureusement dans le service. واخا D'accord, دونك d'accord. شوف واش تقول واش تقول تقول تما مدام لا Là. Non. واخا عنده ما Pas كدروش كاشو d'hématurie, il n'y a pas d'hématurie. ما كدروش كاشو Non. ما كدروش ما رافقو Là. نو قالت لا شوف 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 شو غادي نمشيو دابا عندنا عندنا سيندروم ايموراجيك دونك اون دوموند دو بيلون دو بروميير اتونسيون عندنا تي بي تي سي ا ان اف اس NFS. Alors, vous voulez quoi d'abord? ان اف اس Le bilan des monstres, le bilan des monstres ou NFS بيلون maintenant. دي موستاز عندنا اربعه ديال بيلون ان اف اس تي نبداو بي تي دابا. سي ا طون دو سينيوما علاش نبداو؟ سو بلون دي تي موستر دابا. ان اف اس ان اف اس ان اف اس NFS, ان اف NFS, اس NFS, NFS. اوكي اوكي لان لان اف دي اس بونس ان بيغ ما تويدا حمزه 13 اونج غرام مثلا 87 دونك نورمال اون نورمال بلاكيت لا نورمال ثرومبوبيني بلاكيت لي ثرومبوبيني سي سوا ثرومبوبيني داكوغ انت واخا بارتيك سي سوا اون بلاسي اي دون بلاسي دون بلاسي بلاسي سيندروم بلاسي جو سيندروم سنديمين ايموراجيك. ولدي غلبنس بلاسي بلاسي ويت ويت انا فوالا تي بي سيندروم تي سي ايموراجيك نحيد هذا شوف واش الفيلم. عندنا سي في تي ولا شي سي حاجه حيدنا واه الفيلم سي تحيد حيد استاذ وي وي سي تحيد حيدو حيد دونك اون في كوا داكوغ استاذ تي بي تي سي تي ان بي تي سي سي ا تي بي تي سي ا Le bilan d'hémostat. Donc, on vient de Ah, tester le patient, on a mis oui, sur off et le résultat vient de sortir. Voilà. Hamza, D'accord. attends une seconde. Où est un début hémorragique pour moi? Comment? Où est un début hémorragique pour moi? Les facteurs de gravité. Salut, c'est madame Ali Mostaz, c'est bon? Ah, comment est-ce que vous avez fait ça? ça? Alors, C'est on aussi va un l'examiner début au niveau de hémorragique la à bouche gauche pour pour voir s'il n'y a pas. un Alors, TCA oui, manger à aller. elle a quelques bulles au niveau de la bouche, c'est vrai. Il y a quelques bulles au niveau de la bouche. Il y a décidément des muqueuses, des gingivores, quelque chose qui est Oui, grave. et là, quelques bulles hémorragiques. Et la maman le rapporte. Il y a quelqu'un de débile hémorragique au niveau de la bouche. Le D'accord. bilan, le groupage Diallo. Le groupage Diallo, on peut l'envoyer. Ça brine le groupage Diallo à FAC. D'accord, oui. Sinon, Comme la TCA. Hamza, comme la Hamza TCA, d'abord. chauffe, TCA, raccan allongé. TCA, raccan allongé. Naoud, Raf, raf, les raf, mostases. TCA. Ouais, quand 64 TCA. Quand TCA 64. Je refais les D'accord. mostases. Bon, oui. Là, 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 là. لا Le لا ما groupage نعاودوش استاذ ما نعاودوش ما positif, O نعاودوش positif le groupage. عطينا O positif. عطينا Hamza, استاذ ديتي عطينا حاجة خوتي rapidement. خوتي خوتي Froti, باقي froti, لنا froti. خوتي Quels froti? خوتي Froti سونغا sanguin, شوف واش froti عندنا sanguin. سكيزوسيت Les schizocytes, donc on a fait le aucun froti problème sanguin, il n'y a pas de schizocyte. soit une préparation thrombopénique idiopathique soit une préparation rhumatoïde d'être juge ou شوف c'est pas عندنا des تسع préparations thrombopéniques. allongé attention Hein? l'hémophilie عندنا تسع allongé C'est ça, non, je sais plus, c'est des arthroses, d'accord. Oui, je ne vois pas qu'il y ait des choses, mademoiselle. Madame, madame. مدام مدام واش بابا كي متبع لي شي حاجه لا ما كي بابا ما عندوش شي مشكل انت ما عندكش واحد في العائله عنده هذا المشكل هذا عنده ديال الجريان ديال الدم
شي مشكل، كيف ما قال لك يلاه داو هذا الشيء في رجليه، ويا فمو كانوا كينادوا ليه بحال شي بواوق، دونك باش صافي هذا الشيء. نعطيو لي بلاكيت، نعطيو لي نعطيو لي بلاكيت بلاكيت، حسنا، وقف رجليك نعطيو لي بلاكيت. بلاكيت 3 سي بون. 2 1 سي فيني، 7 minutes، très bien، bravo. اي On verra les autres ce qu'ils vont faire. On vous applaudit. Oh, regarde, tout le monde vous applaudit. مختلف وصحابني عادي برافو كيلعب برافو بحال هكا ملي برافو كيكون الوقت برافو. ناقص، من الاول كنعطيو الوقت ناقص اوسي. عليك خصو دايما 2 minutes، خاص خصو سوا 2 مينوت اوسي، كنعطيو الوقت دايما. يتفلس. Allez, on va partir برافو لي زاد. chez Youssef et Zineb. Donc, c'était la salle de... Allez, go. Donc, je prends avec moi coach Ayoub, Mohamed Tabar, Derwish, X20X, Zineb Darawi et moi-même. Ok, alors les amis, Zineb et Youssef. Donc, Ali et Hamza viennent de passer, c'est la dernière ligne droite. Et je vais chronométrer 10 minutes parce que vous avez gagné 10 minutes parce que vous avez fait un bon examen de confort. Donc, 3, 2, 1. Vous êtes les internes de garde aux urgences pédiatriques et vous recevez une patiente, la maman, qui ramène son enfant. Allez-y, go. Salam alaikum, on est l'équipe de garde, donc on se protège quand on va vite. Donc, est-ce que le patient respire et il a un pouls? Oui. Ok, donc je cède. Est-ce que le lieu est sécurisé? Oui. Ok, donc je cède la main à Dr Zineb pour continuer. شحال عمرو؟ 8 سنين لاله، 8 سنين الطبيبه. واخا كيهضر؟ ها هو وحدك. تدوي تدوي. قول له قول له زعما كيهضر معايا؟ يهضر معايا؟ تدوي تدوي، إيل بار، لونفون بار. دونك لي فوا ايريان سون ليغ، ندوز لا فريكونس ريسبيغاتوار شحال استاذ؟ لي نورمال. اي نورمال، لا ساتوراسيون. On va le لي scoper. ناض. On va le scoper. نوريكم le scope ديالو شحال لقينا فيه، صافي؟ واش كونتينيو. عادي؟ ماشي خطير الحالة ديالو، ماشي خطيرة ياك. شنو عنده؟ شنو المشكل عنده؟ ناضوا ليه بحال هاد الشيء في رجليه، هانتي شوفي ما عرفش شنو نقول لك، واش هاد الشيء بحال بو حمرون ولا هاد النقاطي هادو ما عرفتش منين جاو. Elle a كان des petits chiots au niveau des membres inférieurs. C'est ce que la maman vous dit. Voici le score. Il n'a pas de fièvre. Non. 37 de température. Ok, comment les zines? Il y a une dizaine de lutte. Non. L'auscultation pulmonaire. Normal. L'auscultation cardiaque. Normal. Tendre coloration Normal, colorée. normal, normal. Normal. Il y a une dizaine de perfusion. Non. Il y a une hépatomégalie, splénomégalie. Non. Non. GCS. L'enfant est conscient. J'ai tout ma main. Auscultation cardiaque. Normal. Et la convulsé. Sous la maman. Ou le dal chez crise. صح لا ما دار والو. لا لا واخا تقالوا عليه يديه رجليه شي حاجه في الحركه ما بقاش مزيانه. ما تقالوش عليه يديه ورجليه. واخا بوغ بوغ لا غليسيمي ان كان دونك جو تو سيت لا بارول دكتور يوسف. باردون فيت الميكرو دونك باسون تبدا هادشي. هادشي هاد السيمانة هادي اوكي، مؤخرا هادي. عمر وقعت لي قبل؟ لا 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 سيدي موقع ليه، ماشي الحالة ديالو ماشي خطيرة. واش كان كيداوي على شي حاجة؟ كيداوي على شي حاجة ولدك؟ لا ما كيداوي حتى حاجة، كياخد شي دواء؟ لا شنو قلتي؟ لا هادي شي جوج سمعتش. سيمانة طاح وضربو البرد. ما كيدا ما طاح؟ كيفاش طاح؟ طاح طاح ما طاح، كان كيلعب مع صحابو وطاح، واش طرا لي من بعد ما طاح؟ وما عرفتش بحال ضربو البرد وبدا كيسفنتي بحال جاتو نزلة. وخوتو عمر طرا شي واحد من خوتو طرا لي ديجا بحال هكا؟ حتى هو في هاد ليطاش هادو داكشي؟ لا لا هو الاول، انا يا خوتو ديما الحمد لله صحة والوالد سلامو. ديالو، والوالد ديالو ولا انت ولا شي حد من العائلة اخرى عمر طرا لي بحال هكا؟ لا الحمد لله اوكي، قلتي لي ما كياخدش دواء.
لا ما كيا حتى شي حاجة. ما كاينش واش هي؟ لا اوكي. المفاصل ديالو ما عمرك تنفخوا ليه المفاصل ديالو؟ عادي صراحة، عمري ما انتبهت لشي حاجة. داكوغ. دونك اون كومون نديرو ان بيلون ياك. دونك نديرو ان اف اس بلاكيت تي بي تي سي ا Je commence par quoi? NFS. NFS NFS. plaquette. Donc, on vient de piquer le jeune enfant. Donc, j'ai mis sur TubeMob. On voit comme d'abord le résultat de la NFS qui vient de sortir. Voilà. Ok, là, une thrombopénie. Ok, donc TPTCA. Bilan d'hémostase. Donc, on va envoyer le tube d'hémostase au laboratoire et ça vient de sortir sur le système. Ok, donc, bilan d'hémostase bien. Ok, je suis en train de demander. أستاذ حكمت لا فيها قبيلة؟ Il n'y a pas de fièvre, température normale. Donc, thrombopénie. لا ترومبوبين. أستاذ, déjà, on est inférieur à 100 000. واش نقدرون نزيدو 1 كيلو بلاكيتاب. أنا vous me dites, j'exécute. Donc, je trompe. On envoie le kilo plaquettaire, c'est ça? Oui, D'accord, on va envoyer le cahier de la transfusion à Wamsha, la transfusion, c'est bon. OK. Récap, Zinib. donc, il s'agit d'un patient de 8 ans qui se présente pour des PTG. Le B et le C étaient normaux. L'examen paraclinique a un arrêt, une thrombopénie. Le bilan d'hémostase était normal aussi. Cet hémogramme? On fait l'ionogramme, donc on va essayer de faire l'ionogramme. Donc malheureusement, il n'y a plus de tube rouge dans le service. Plus de, donc on ne peut pas faire l'ionogramme malheureusement. C'est un, deux autres, sinon c'est la chaîne. Deux débuts, des gingivores agis. Sous la maman. Elle a des bulles rouges à la bouche. À la bouche de la maman. هذوك اللي شي حبيبه تقلب فمو بحال بقاو كيتفرقعوا عليه بالدم. D'accord. ايماتوري كاينه؟ Il n'y a pas لا d'émotion. Zéro star, voilà. demandez une bandette urinaire. Zéro facteur 8 et 9. L'hémophilie, On est à 7 minutes. c'est Où ça me dit le frotti? Donc déjà, on a éliminé une cévité, donc le bilan d'hémostase normal. Alors, sur le frottis, il n'y a pas de skiz aussi. Donc, Pas c'est de bon, j'espère schizocyte. que à éliminer. D'accord. Quel est le signe de l'insuffisance rénale? C'est-à-dire. L'hématurie, l'HTA, des convulsions, des œdèmes. Non, il n'y a pas d'hématurie. La tension qui chauffe, c'est ce qu'on mesienne. كتحرقوا كرشو كاينه دولار ابدومينال La maman. La maman, elle. لا 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 ما كايناش كتحرقوش كرشو Il a pas de splénomégalie ni Non, d'hépatomégalie. tout ce qui est interrogatoire, c'est la maman. Tout ce qui est examen, aningiographe, il n'y a pas de J'ai splénomégalie. une bandelette urinaire Malheureusement, il n'y a plus dans le service. Nous voudrions dire au myologramme. mais ما كاينش ان تيب قليل قبيله Là, le Le myologramme, myologramme. la myélo. Myélogramme. On peut le faire. Donc, on va appeler le pédiatre qui s'occupe du côté hémato. Il va nous faire le myologramme que je vais partager tout de suite même. C'était très rapide, notre laboratoire d'hémato. Voilà. Le myélo est normal. Ça, nous pouvons dire les sérologies. C'est le Sérologie. VIH.
في اش ليباتيت بي اس سي. Et sérologie de quoi? C'est le VIH, c'est l'hépatite B et C. Alors, les sérologies, on vient de les demander. Oustad, facteur de von Willebrand? Facteur de Ça, Van je crois. Willebrand. Oui. Il n'y a pas de Non, réactif au laboratoire. non. Et tout est négatif sérologique. Oui. Le facteur rhumatoïde, c'est. Facteur hématoïde, maintenant je suis insensible à la base, donc ça va demander du temps. Facteur 5, les facteurs qui sont Réactif pour ça. Mais vous voulez le bilan d'hémostase? je n'ai On a pas déjà fait là. demandé. Le bilan d'hémostase? Oui, déjà je fais. Normal. واش لي بي دي شي كاينه غير في البلاصه اللي طاح فيها؟ لا ماما سوليا لا 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 لا، ماما كاين رجليه، رجليه كاملين. انتي شوفي قدامك الولده، كل شيء رجليه كامله. واش هذه اول مره تلاحظي فيها هذا الشيء؟ اول نوبه. Allez, 3, 2, C'est anticorps 1, et antinucléaire. là, ouais, anticorps, anti-galaxie. Galaxie, ça fait. Bravo, les amis. Bravo, les amis, on vous C'est applaudit. Allez, Bravo. on va voir ce que Oustad Adaraoui pense de tout ça. On va fermer les salles, on va partir du bruit. Alors, Zineb, tu vas nous dire tes commentaires d'une façon générale, Beda, et tu vas nous parler de la pathologie qui était sujet du scénario. Voilà, c'est à toi la parole. أستاذ تبارك الله عليهم، فرانشمون ما عندي ما نتسالكم. أول حاجة بور لو نون تكنيك، عجبني بزاف كومون فو بارتاجي لي تاش بيناتكم، لا كومونيكاسيون بيناتكم، زعما سي بارفي، ما كيتلاحش شي حد لا بارتي ديال شي حد، فريمون لو ريسبي وخا وسط لو ستريس. عجبني بزاف كومون فو سيكوريزي افون ميم دو كومونسي، اي لي ريكاب صافا بور سيغتان. على وحدين اخرين كان جروب عنده غيكاب على ليكيب الاخرى، اي الفيرميتور دو لا بوكل اوسي. لا النقطه اللي شويه جاتني هي باغ اكزومبل لابيل اليد، اي ترافاي اون ايكيب، سي زعما سي بارفي. سينون اون باس Pathologie. Alors, d'accord. c'était quoi la pathologie, justement? C'était une purpura thrombopénique immunologique Et ou voilà. idiopathique. Ouh. Malgré kilomètres, purpura thrombopénique. Les noms m'égarent. Alors, tu peux nous parler de cette pathologie pour les jeunes? Allez. Alors pour la purpura thrombopénique idiopathique, c'est un diagnostic d'élimination. Bravo alaykoum, hawltou tqelbou على كاع les diagnostics, كاع les pathologies secondaires à une thrombopénie. C'est un diagnostic d'élimination. C'est une thrombopénie qui est secondaire à la présence d'anticorps. C'est des anticorps circulant, les plaquettes d'Yeli, et ils vont détruire les plaquettes par le système phagocytaire mononucléé dans la rate, principalement. Donc, pour le cas clinique d'Yenna, Dimen a une évaluation initiale. Même si j'ai un patient qui est stable, c'est un syndrome hémorragique, le patient il peut décompenser à n'importe quel moment. Donc, dimen les ABCDE diaouli, dimen le monitorage du patient, dimen un traitement initial. Chez un enfant, il faut faire attention. Pour l'hypotension, c'est un signe qui est tardif. Kanbdaou une tachycardie. Yani karad lbal la tachycardie, ktar men l'hypotension. Hint hiya li ghatkoun loulaniya fle choc. J'ai beaucoup aimé la bandelette urinaire. Et alors, pour les ABCDE, les deux équipes, qu'elles équivalent la BCDE. Et pour la mise en condition. Alors, l'enfant, il est stable, il a les ABCDE, il a le FMM, il a le F ou le M, mais on ne fait les 4 V plus A. Même si devant un patient qui est stable, on ne fait pas les 4 V plus A. On est systématique. Devant un syndrome hémorragique, je peux avoir une hémorragie non extériorisée ou une sonde nasogastrique. Le monitorage, bravo, les deux équipes, ils ont monitoré l'enfant dès le début
Et pour les signes de gravité, il faut rechercher les signes de gravité. Éliminer un purpura fulminant. Les deux équipes, ils ont pensé au purpura fulminant. Et la différence, c'est le purpura fulminant, il est rapidement extensible et aussi l'évolution. La maman, elle nous fait la différence, elle a l'évolution qu'elle sur 2 jours à 1 semaine. Alors que le purpura fulminant, c'est sur 12 heures. Ils ont aussi cherché le syndrome septique et le syndrome hémorragique. Et les deux équipes, ils ont cherché les bulles hémorragiques. Alors que non, bravo, les concepts. Les bulles hémorragiques, l'hémorragie muqueuse et l'hémorragie viscérale. Donc, conjonctiva, les épistaxis, les gingivorragies et les maturées. Bravo. Les deux équipes, c'est la recherche des autres localisations et c'est très important. Qui fait la gravité de la pathologie, c'est la localisation neuroméningée. Mais qu'on a dit une hémorragie intracrânienne. Et dans ce cas, l'Ikendiro fera la transfusion plaquettaire. Dit le problème, les deux équipes, ils ont transfusé alors que c'est pas les plaquettes, ils vont être détruites. Donc, en cas de troubles hémodynamiques ou d'instabilité, mais le pronostic vital, la fraction de seconde, les plaquettes, qui qu'on a l'hémostase clé, sinon, qu'on a la cortico, associée à la cortico, pour diminuer le processus immunologique, les plaquettes. Mais chez un enfant qui est stable, les plaquettes. L'examen ophtalmo, qu'on dit un fond d'œil pour rechercher l'hémorragie rétinienne, et l'examen abdominal pour rechercher un syndrome abdominal aigu. Mon patient, il est stable, dès l'interrogatoire d'y aller à la khatri, et l'examen clinique d'y aller à la khatri. Pour l'interrogatoire, comme vous étiez vraiment systématique pour l'interrogatoire, la recherche d'un syndrome grippal ou infectieux, une pathologie connue, mais il faut toujours rechercher une exposition aux médicaments. Soit les médicaments qui sont incriminés, les thrombopénies, sinon un médicament, il faut arrêter avec le médicament, rechercher les symptômes suggérant une maladie immunologique, et Kine équipe, elle a pensé, l'idoine, elle est les antinucléaires, il a pensé à une pathologie immunologique, il faut demander l'interrogatoire, notion d'altération de l'état général, et après l'examen clinique, les deux équipes, c'est caractériser le purpura. Un dit purpura, je dois le caractériser. Je trouve purpura djali, ou c'est un purpura qbel, même le bilan, ou c'est un purpura qui est vasculaire, ou c'est un purpura qui est thrombopénique. Ou tu me fais le purpura rhumatoïde. C'est un purpura qui est vasculaire. C'est un purpura qui est infiltré. Une voie passe à côté. C'est un purpura qui est infiltré, qui est palpable, polymorphe, déclive. Le patient djali, le purpura, le membre inférieur, le kirnan déclive, et pas de syndrome hémorragique vasculaire. Alors que thrombopénique, c'est le contraire, non infiltré, diffuse, cutanée ou muqueuse. Donc, je suis devant un purpura thrombopénique. Alors, le bilan, les reins demandés, l'ENIAND, c'est les néphestes, les radiales caféra, exactement une thrombopénie. Pardon, l'examen clinique, il faut rechercher, ou les deux équipes, bravo, un syndrome tumoral clinique, rechercher une hépatosplénomégalie, des adénopathies, ils ont recherché, le purpura rhumatoïde, les arthralgies, il faut rechercher la douleur osseuse cœlia ou des signes d'atteinte systémique, bravo. Alors pour le bilan, il y a une thrombopénie, purpura thrombopénique, donc on a confirmé la thrombopénie, d'abord on va passer les causes secondaires. Donc, ils ont pensé à l'infection virale, donc une purpura thrombopénique suite à une infection virale. Suite à, ils ont demandé une sérologie hépatite B, hépatite C. Alors, ils ont aussi demandé un myélogramme. Les recommandations, toujours on faisait un myélogramme pour différencier où c'est un purpura central ou c'est un purpura périphérique. Alors, les recommandations, je c'est avant juste la corticothérapie, pour ne pas refroidir une leucémie. Mais sinon, ma prêche fait le diagnostic. Ils ont demandé aussi. Zineb, tu peux répéter. Attention, tu peux Ah, répéter la recommandation. les La recommandations. nuance, oui. Le myélogramme, il était systématique à la recherche d'aplasie médullaire ou de leucémie. D'accord, au débat. 2022, Oui. le myélogramme ou l'arrêt avant la corticothérapie. D'accord.
حيت اون بو اليميني ماشي ضروري لو ميلوغرام بور اليميني لا بلازي ولا لا لوسيمي. كاينين لي D'accord, زوريونطاسيون tu cours, tu peux fausser le gramme, c'est ça? la Oui. cortico, elle refroidit la leucémie. D'accord. Donc, il y a une cortico sur une leucémie, on va la refroidir. On va pas qu'on puisse faire le diagnostic. Ça marche. On a trouvé. Oui. Vous êtes salie à aller à le prof de manœuvre service parce qu'effectivement, je crois que la ndéro, la cortico, exactement la cortico, elle fausse une leucémie. Donc, Donc, ça tombe très bien. Donc, Vas-y, notre Zine. troisième indication, c'est un myélogramme. Présentation clinique atypique, une PTI qui est typique, une PTI qui est typique, donc ce n'est pas la peine. Avant la corticothérapie ou en absence de réponse, les immunoglobulines ou la cortico, la cortico, les immunoglobulines, où il ne répond toujours pas, qu'on a le myélogramme d'hier. Alors, Bouina, la sérologie. Bravo, vous avez fait un frottis sanguin ou quelque chose bénit la taille et l'aspect d'hier les plaquettes. On peut penser aussi à une thrombopénie constitutionnelle et qu'on chauffe l'âge. L'âge, ce n'est pas en faveur, c'est surtout avant l'âge de 20 ans. Ou bravo, ils ont aussi demandé la même symptomatologie chez la fratrie ou les parents. Un bilan d'hémostase pour éliminer CIVD, ils l'ont demandé. Ou c'est vrai, je ne me souviens pas du nom, l'étudiant légal, c'est les antinucléaires. Tu penses à un lupus. Mais tu connais avec l'orientation. L'orientation, l'interrogatoire, tu cherches l'alopécie, bravo, vous avez demandé une bandette urinaire, une néphropathie lupique, une protéine urinaire. Le myélogramme. Ici, j'ai une douleur ou si j'ai un syndrome abdominal aigu, je peux faire une échographie. Alors, pour la prise en charge, généralement, c'est un patient qui est asymptomatique et une thrombopénie qui est supérieure à 30 000. C'est l'abstention thérapeutique et la surveillance. Oui. La PT. Si j'ai un patient qui est symptomatique, ça veut dire un syndrome hémorragique, c'est là qu'on a la cortico. La cortico, je donne la prednisolone à base de 4 mg kilo par jour. 4 mg. 4, c'est bien 4, 4 mg, d'accord. 4 mg kilo par jour en 4 jours, deux prises. D'accord. Ou bien, je fais 2 mg kilo par jour pendant une semaine. D'accord. Sinon, d'accord. Les immunoglobulines intraveineuses à base de 0,8 à 1 g kilo à J1 et J3. Sinon, il y a les immunosuppresseurs. Mais le niveau de la cortico. Mais le message clé, c'est comme la transfusion plaquettaire, sauf si j'ai un patient. Avec engagement de pronostic vital, je donne les plaquettes avec la cortico pour être efficace. Alors Zineb, si on donne les plaquettes, je sais que ce n'est pas utile, mais est-ce que c'est nocif? On va aggraver le processus immunologique. D'accord. Les anticorps, pour la dégradation. D'accord. Donc, alors, ce n'est pas, ma chère, inutile, parce que ce n'est pas bien. Là, ce n'est pas bien. D'accord. Vous êtes donc les deux seules indications. Oui, c'est les deux seules indications, les placer en état de et une hémorragie cérébrale, si j'ai bien retenu. Vous voyez le pronostic. L'hémorragie intracrânienne, il y a un pronostic. Il y a une hémodynamique. Donc, un patient qui est instable, tu peux donner les plaques. Les plaquettes, la destruction, ont l'effet d'hémostase. D'accord. La destruction, c'est le pronostic vital. Exact. Bon, j'ai une autre question, si c'est possible. Bien sûr. Un score, quand on le syndrome hémorragique dans ce cas, le PTI. Vous dites le traitement, un score. Vu que je pense pour des futurs médecins généraux pour le moment, c'est là. Alors, Zine, une toute dernière question. Est-ce que c'est une pathologie qui peut être héréditaire? C'est de clinique, donc les thrombopénies constitutionnelles, ou même les héréditaires. Mais le PTI, non. Non. C'est un incident sur l'endemain ou l'air de l'air?
لا يقدر يرجع ولا سي سون لا ما استاذ حيت كاينه لا بي تي اي ايغو وكاينه لا بي تي اي كرونيك وكيمكن يكون ان ايبيزود انتيريور ديال لا بي تي اي البوربيرا ترومبوبينيك ايديوباتيك وشي لونفون حيت حنا قريناها كاملين عند لادولت قريناها في ليماتو ادولت كانت بلو رار كو شي لونفون شي لونفون اون فو بلوس دو بي تي اي كو لادولت داكو تري بيان ان تو كات تبارك الله عليك زينب انا بالميكرو غادي ندير لي ديزاكتيفي انا درت لي زانترفال ديما نشوف مع الانترفال لابو اللي عندي تسليت نورمال اي برافو سي ان اون بي تي اي ودويتو على بيربورا روماتويد و بي تي اي كون درتو اكزام بقاو عندكم دو زونتيتي تري ديفيرونت وحده فاسكولار وحده ترومبوبينيك الوغ كو لي نيفيس اي لي ليمين وصلتو لي نيفيس فوز الي اليمين لا بيربورا بيربورا روماتويد وكنتو غتبقاو في بي تي اي دونك بيربورا روماتويد لا فيش لا ترومبوبيني سي سا ما عاونهمش الوقت الوغ زينب تبارك الله عليك ما شاء الله الا ما ديتيش بروفيسور نتخاصم معاك ان شاء الله استاذ دابا نتفاهموا Alors maintenant, le moment crucial. Tu vas me dire qui, à ton avis, a fait quelle équipe a fait relativement mieux que l'autre. يونس مكحلة التشهير ديال انيا استاذ انيا ماشي مشكل اشنو قال Ok, très bien. Donc, en fait, les deux équipes, ils ont bien travaillé. Je m'excuse, Austin. J'ai Oui. une question. Oui, bien sûr. Yes. Le traitement du LPI, c'est quoi le traitement pharmacologique? Le réel cortico. Les immunoglobulines. Chez les autres. Le traitement du LPI. À part le traitement de la cortique, le problème, c'est c'est un système immunitaire très actif. La cortico, ou les immunoglobulines, c'est la même chose. C'est un traitement le processus immunologique. Oui. Donc, je la corticothérapie. Donc, il n'y a pas un autre traitement à part la cortique. وكاينين دي كان كاينين دي كان اللي ني لا كورتيكو ما كتخدم ني لي زيمونوغلوبولين ديك السيتو سي اون باثولوجي كي تري لورد و لا بريز اون شارج ديالها هي اي تري لورد وكاينين دي باسيون كاين ان بورسانتاج لي با مال لي ايزون لا بي تي اي ديالهم اي لا ريغريسي من لو تريتمون من الاول ديال لا كورتيكو من اول ايبيزود دو تريتمون بار كورتيكو ثيرابي داكور ميرسي سيل فو بلي بور l'aspinomégalie, est-ce qu'il est la l'aspinectomie, est-ce qu'il est toujours indiqué ou non? Ça dépend, bravo Alex, ça dépend cas par cas. Pense... C'est les PTI les plus, c'est les PTI chroniques, les PTI aigus, bien sûr que l'aigu m'arrête la splénomégalie, mais les PTI chroniques, ça c'est par hypersplénisme, la destruction des plaquettes, mais qu'il y a des sociétés qui indiquent la splénectomie, alors que d'autres qui ne l'indiquent pas. C'est le processus, je me rappelle, dégradation des plaquettes que tu connais intravasculaire. D'accord. J'avais une patiente qui a la PTI, alors le traitement pharmacologique n'a pas marché, qu'à dire des poussées, c'est la charge d'art splénectomie. C'est le traitement de la PTI chronique. D'accord. Ouais, c'est bien, ça a suscité beaucoup de questions. Parce que on a bien bossé, on a bien appris. Vraiment. Notre les pédiatres, c'est de la belle famille parce que mon épouse est pédiatre. Donc, les pédiatres, elle est venue. Pour Zinb, docteur Zinb, Dominique, vous avez une garde. Dis-moi, quand je suis de la meilleure. Comment les meilleurs? C'est vrai parce que Dominique, vous avez une garde. Qu'est-ce que vous avez des petites notes? Allez, j'ai oublié ça.
دير هذاك تفليكس عليه وتدو شي حاجة جديدة. ما ديك العياقة تعلمت اليوم. ولكن والله انا جيت انا تخوازيام اني كنت تلاقيت مع استاذ، ما عرفتكش استاذ، واش عرفتي واحد استاذ ليكيب الاولى، استاذ اللي كنتي بديتي معاهم بيغماليون، كانت فيها واحد البنت سميتها زين، وكانت جات عندي وقالت لي، قلت لها راه بديت أيه زين بيان سير استاذ، عقلتي على واحد زين محتاجي سير الله فيها. يعمر هذا. وجيت عندها وقلت لها زين، راه مابقاتش كتعجبني بزاف ميديسين، ماشي الفكره اللي كانت عندي ديال غنبقى نفهم داك الشيء ونشوف فيزيوبات، وهي تقول لي ادخلي عند الاستاذ مهاو. ملي دخلت ما كنت كنفهم والو، بيان سير ما تفهمي والو. وزعما انا كنت نلقاهم هما يقولوا العلم، وكنبقى نقول لها يعني ما عرفتش اش كيقولوا، وكتقول لي فكرتي ويلي أفكر تخرجي. زين زين فكرتيني. الوغ حنا في كازا في بروميير اني يلا تدخل عندنا لي جروب ام اللي بادي سميتهم جروب ام و ان كيبداو الاناتومي، يعني جينا اثنين عندنا الاناتومي في العشيه تي دي، وانا يلا جايون من مراكش والتالف وداك الشيء والصباح ديك لا كونتون، وفي العشيه بداو الاناتومي بروميير جور تندخل هذوك شي واحد تيقول لي ميروس راديوس هذاك سميه القدام كلافيكول، تنقول هادو ماشي ماشي بغيت نفهم واش يدوي الشينويه ولا عاتي. نص من الجروب خرج باكي ما فاهم والو، وعاد بنت الحرام وحده كانت معنا كانت مضوبله وما كانت تعيق علينا وحنا ما عارفينش، عاتي تعقدت هذاك بحال هكا بتي تابتي عاده. استاذ ولكن والله الا استاذ سي غراس افو استاذ، والله الا ملي دخلت وبديت كنشوف معاك استاذ لي ستاف، ابار اننا كنتعلموا العلم، انك كتعلم كان كيقولها ديما الاستاذ ان خصك تشكر الناس، وكتعلم تشكر الناس، كتعلم تقري الناس، تعلمنا بزاف د الحوايج مع الاستاذ النون تكنيك. ولا سيمولاسيون كانت هي الحاجه واقيلا الوحيده اللي خلاتني نعاود نبغي ميديسين، بحال نهار كنت كنتسناها في الباك، ايوه الحمد نهار لله. ايوه كنت نهار لي بزاف معنا في ليكويز، وصيفط لي استاذ ميساج قال لي علاش راكي طلعتي في الكويز، علاش ما بغيتيش تدخلي مع الجروب ديالك؟ قلت له استاذ لا تصاحب ليا كاع ما نجحت، قال لي راه ماشي كنتي الصغيره فيهم صافي دي غير ما غتنجحيش. بيان سور بيان سور والله يكمل بالخير. استاذ هلا الوغ حقك زينب لو مومون كروسيال ايت اريفي اي الوغ لي دوز ايكيب ils ont bien travaillé il y avait des plus par-ci par-là je viens de voir la grille avec Zineb. Alors, il faut dire que l'équipe qui a gagné l'immunité, c'est juste parce qu'ils ont eu plus de temps. Et donc, c'est Youssef et Zineb qui gagnent l'immunité. Bravo. Bravo. Alors, Youssef et Zineb, vous êtes assurés, vous êtes en demi-finale, ça fait no, pas de problème. Mbrok alaykoum. Ce n'est pas du tout évident d'arriver à ce stade-là. Donc, vous êtes à une étape de la grande finale, d'accord? Alors, maintenant. Tous les six, vous allez voter contre soit Ali, soit Hamza, soit Halima, soit Younes. Allez-y, go. Et celui qui va être éliminé, Aïdi Malach. Allez-y. Vous votez contre Ali, ou Hamza, ou Halima, ou Younes. Allez, faites vite. Un vote contre chez Wahed déjà maintenant. Vote de. Non, le collier. Chez Wahed, là, chez Wahed, d'accord, le vote. Non, non, non. C'est pas comme la dernière, parce qu'il n'y avait pas de mentimètre à la demande. Alors d'abord, oui, Simon, vas-y. C'est juste un point, juste le moment de vote. Juste un point à propos des drogues, le choix des drogues dans l'embolie amniotique. Parce qu'il y a des équipes qui ont parlé de l'atropine et d'obutamine. Et juste parce que l'embolie amniotique, en fait, c'est vrai, c'est un état de choc. C'est une façon variable. Il y a déjà la part d'hémorragie, la part de choc, plutôt de la partie inflammatoire et cardiogénique. C'est secondaire au passage soit de liquide amniotique vers les photos de la circulation maternelle. C'est surtout, c'est un traitement symptomatique. On a un état de choc. Bien sûr, on commence un collapsus. On commence un remplissage standard, 26 kg. Par la suite, si ça ne répond pas, on passe aux drogues plutôt noradrénaline. Et par la suite, si la patiente efface l'arrêt, c'est le protocole de l'arrêt. On va ajouter juste les précautions et les modalités chez la femme enceinte. Ça, c'est de 1. Deuxième chose, on a parlé, c'est vrai, d'une différence ventriculaire, plutôt une biventriculaire cardiaque à l'ETT, c'est vrai. Mais ça reste une prise en charge comme tous les états de choc, comme tous les arrêts cardio-respiratoires. Pour l'atropine, il n'y avait pas d'indication pour le donner, surtout choc hémorragique. C'était déjà CNF, fait beaucoup plutôt de problèmes que d'autres choses. Donc, ne pas donner surtout en choc hémorragique.
Et pour le diagnostic différentiel avec l'embolie amniotique pour le cadre du parti de péripartum, c'est vrai qu'on a une défaillance qui est surtout ventriculaire gauche, dysfonction systolique. À ce moment-là, on peut discuter avec l'équipe, bien sûr, l'ajout de dobutamine. Très bien. Oui, bien sûr, c'est un destin lié, Youssef. Alors, en attendant, alors allez-y, vous n'avez pas plus d'une minute. D'accord? Donc, pour la demi-finale, je vous rappelle, parmi les six, il y a un colis d'immunité. D'accord? Au cas où vous l'aurez oublié. Parmi les six personnes qui sont là, il y a un colis d'immunité. Wesh Das déjà demi-finale, Wesh il est déjà parmi les personnes votées, Allahu a'lam. Mais parmi les six, il y a un colis d'immunité. J'ai une question. Oui, Derwish. J'ai une question pour le bon déroulement du scénario. Est-ce qu'il est Oui. préférable de garder un scénario un peu calme ou là de verbaliser le plus et de faire transmettre le stress? Il y a l'idée, c'est toujours verbaliser ses actions. Même la vraie. Mais je les séries américaines de médecine. Mais en étant parti chez eux, voilà, ils sont comme ça. Donc, il verbalise toutes les actions et c'est très important de savoir ce qu'il y a derrière dans ta tête. Anna, techniquement, maintenant, on a dit staff en étudiant, tu as reçu un patient pour douleur thoracique, ok? Tu as demandé quoi? Je demandais le CG. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi il a demandé, Oui, il il a pense à demandé le quoi? CG. Oui. Le CG, je pense au pneumothorax. Donc, la chatte doit être très rare. Hein? Donc, fait le raisonnement. Tu as exploré ben, le déclaratif. Le conceptuel, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a derrière la déclaration? Un petit mécouche, rien. Hafou ou ferme. Très, très bien. D'accord, c'est très bien. Les amis, allez-y. Il y a la retenue, début de semaine, je suis bien les invités maintenant. Allez-y. اي يعني شبوها تنهي ده اصلا حبست شي حاجه استاذ اليوم يا استاذ بعد من خمس جدنا دقائق ايوا انت مش نقول لك ضرب اليد وداك غير يلا ضرب اليد داك الكيس ما كاينش الصامر استاذ استاذك دي استاذ انا راه الجينيكو مازال ما قاريهاش استاذ راه عطيتك لي سيبور ليتك كتر خصني ريفليكس داكشي مش مهم على سيبور ودابا حتى مع البويكوت ما قريتوش جينيكو سي دوماج مي بون سي با كاف يلا عطيونا خلينا نمشيو نتكاو Allez, allez. Allez. Cool, les six doivent voter. Allez-y. D'abord, le WhatsApp, خدام المشاورات et كل شيء. أستاذ نعم. نقدر نفوتيو على غولين تل لا فينال عاد فوتيو عليا. أستاذ راه أسحب فوتو وهذا. Je sais, mais il faut le faire. Chauffe, tout est permis à Piglanta. Tout est permis, sauf la tricherie, bien sûr, je le dis toujours, mais avec les alliances, il n'y a aucun problème. Les trahisons, machin, moi, je dis, il n'y a pas de problème. Ou bien sûr, la personne parmi vous ne triche, avec Go, allez-y. Allez-y, les amis. C'est de la opérer voter ou la résistance, bien évidemment. Oui, c'est toi la pastiche de la saison. Tu m'as continué au drifting. Tu as Je suis tu seul, vois, Oustad, je suis seul. c'est pas le niveau de la chatine. En Oustad, fait, même j'ai le reçu niveau des de la épisodes de chatine. chatine. Avec Chiradi en parallèle. Plus tu seras Oustad, de chatine. خصني ندوز بستاف اوستاد المرة الجاية ستاف ديال واحد ايزود ديال تشيكن ستاف ديس ديال تشيطين اوستاد لو ستاف ديابوليسك. يلا يلا لي زامي، علي ازعموا. يلا بعد هذوك اللي دازوا دابا اللي مشوا اطلقونا الي زينب ويوسف بعد اعطقونا اعطونا لي فوديو ثم بعد ما لابي با ستريس الي اليوم وصل القبعة الزرق هابطين في الواتساب نعم أستاذ الأمم المتحدة أستاذ في الواتساب عرفتي دابا اللي مشاورات أستاذ الله دابا المشاورات كنشوفوا دابا لي سيركوي واتساب ديالكم راه ما كاينش الي جي ان برومي فوت زيد باقي لي خمسة وسادنا دابا بعد مهنيا يا شتي من يا والو كيعزلهم
تفاجأتنا أستاذ اليوم. عطي سمية ملتي فاس، هي لا مامون كي تفاجأتنا. اكوش، هي لا مامون دان انفون، ودي هذه داك وحدة البينوا ولا خصنا خصنا رفيسة والله. تنسرعي تتطور شوية. علي جي بوزوان دان، جي بوزوان دو 5 فوت. اليزي جي ان فوت. علي اليزي خاصنا شي ايبيزود يكونوا فيه لي فوت نوميناتيف كيفاش؟ بغيتي معروفين ماشي انونيما اون بوبليك. بغيتي تنوض ليا الحرب العالمية هنا تسقيت يا رجب الله حفظكم. علاش تنقول لكم؟ علاش خاص نقول لكم هاد هاد لا لا سيزون، سيزون هاد لا ليفو سيزون ديال الشياطين؟ راه ما يمكنش، راه هذاك الشيء خيال علمي. يلا زيد. استاذ جامي في باغي ولا ديجا كان بحال هادشي؟ لا لا هاد لا سيزون هادي، لا لا نيفو اون فيت نيفو طالع في ليدو والله العظيم. تبارك فرانشمون تبارك الله عليكم، بور دي جون كي نون با في دو دوزيام سيمستر فرانشمون برافو والله. زعما سانسيرمون لو نيفو اكسيبسيونيلمون الفي، اي ا كوتي دو نيفو كوغنيتيف يا لو نيفو ديابوليسك اوسي، دونك سا فا دو سوا. يلا استاذ راه سي نورمال هاد لي برومو الصغار استاذ اللي كيطلعوا مع هاد لي بويكوت الاضرابات اودي سي نورمال نتعلموا التشيطين استاذ. وانتم بعد قريتوا على الاقل، رجعوا تقراوا قهوتونا الله يعطيكم. الدوري الرمضاني ديال الميديسين هو هذا. ان شاء الله صافي، رجعوا تقراوا بركه سالينا انا نقراو نقضيكم مزيان، توحشناكم في لي سيرفيس. الي لي 5 فوت، الي جو. جي ان دوزيام فوت، تري بيان. وصل دابا الديستان ليه هو اللي كيصعب عليهم لي فوت. بس سي لا ميم شوز توت لي زاني استاذ كونفوندي، خربقتي لينا ريان لي شانجي. زاليونس استاذ، نعم خربقتي لي زاليونس استاذ. بيان سير، غولين انا هو غولين، انا هو غولين اكبر غولين ديابل في غولين ليميسيون. اليزي. ثروازيام فوت، اللي باقي لي اربعه. علي لي زاني، ما تسخاوش ببعضياتهم. انا ما بقى والو، تتفاسو تتفاسو بقى واحد دو زيبيزود راك بريس، ما بقى استاذ والو. لازم يفوتوا على اللي خايفين منه يحيدوه، ما تسخاوش، هما بغاو يبقاو كاملين. اكزاكتومون، نورمالمون مي بون لا هادشي اللي لا كنا كنديرو تخافش، حنا. راه لو فوندرودي غادي نسالي، تري فاسيل. فو نالي ريان خاطي سي دو زيبيزود دو ديفيونس، يا ريان فرانشمون يا ريان. اي دومان لايف بيان سيو مع لي جون كي فون مي كيتي اجوردي. الي 4 فوت. استاذ فاسكو، استاذ اللايف اللي فات كديت انستغرام على قبل، استاذ ما كانش عندي انستغرام كديت على قبل والله العظيم. لا لا استاذ مصطفى ما وانت كانش درت فيك عندي، خير اصاحبي. ددني درويش استاذ مش تقديت. يلا وتعال علي علي وتستنى علي الخريطة. علي، اعطيني فوت حليمة، اعطيني تنتيا يونس ويوسف، باقي هادو الاربعه هادو. علي راه ما يمكنش. عرفتي بعدا اللي قبل منكم كان دغيا تيسالي تاك تاك سالينا الله يعاون. علي علي علي، يلا أصل نعم أستاذ. يلا طلقنا. راه ما يمكنش، يفو شي دون لا أي في، أي دون لا في فو اسيمي، يا با اش يا وصلنا ما نخرجوا بربعة بربعة. نتهنى. حليمة فوت، باقي ما فوتيتيش. واخا واخا أستاذ، يلا علي واخا يوسف طلقنا. De toute façon, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont voté, donc ça ne sert à rien. Youssef, yalla. Atish, non, en plus, tu as tourné l'émission YouTube, si vous voulez faire ça, tu es nushal. Tu es nushal, je vais déposer sur YouTube. Yalla. J'ai un troisième vote. Zé, il va plier Wahid. Par qu'il y a Tleta, pardon. Allez-y. كنت واقيلا راه باغي نجيب الصحراء باغا ما عرفتش علاش. هادشي اللي بان ليا. اليزي راه غادي ندير واحد القضيه اللي ما فوطاش اليمينا تو سويت، غادي نعطيكم ايمينيت. يلا نبقاو هنايا راه ما يمكنش، انا غادي نبدا ايمينيت. هما راه صابحين ناعسين، عندهم الستاج اللي غادي صح نخليها بحال هكا باش تبان ليكم الكرونوميتر.
une minute. Donc, il m'a voté, je bye bye. Allez, j'ai un quatrième vote. Zid, Bakin Jouj. En fait, Bakilia Diel Youssef et Younes, c'est donc Chlehbiya Rati de l'Moufawadad Deb. بالك كيتفقوا في جروب كاملين على شكون يمشي. لا لا، هذاك عارف بوحدهم، هذاك داين جروب ديالهم بوحدهم. Allez, j'ai un cinquième vote. Zid. Baqi le sixième. Diel Younes. Yalla Younes, t'as استدرى واحد البينو وخربق لهم الحسابات ديال لي دو جروب. ضحكني شغل الفوت ضحكني يقولي واحد لو فوت كاتب لي حمزة افيك سون كولي. بون جي لي سي فوت جي في لي دير دون ان اوردر الياتوار مي افون سوسي است كو يا دي بيرسون كي اون ان كولي كي فو لوتيليزي تو سويت parmi les quatre sur lesquels on va voter. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont un collier Des qui veulent personnes, gars. l'utiliser? Dégage. Allahumma inni qad ballaght. Très bien. Donc, le premier vote dans un ordre aléatoire. Halima. Le deuxième vote. Halima. Le troisième vote. Ali. Le quatrième vote. Hamza. Le cinquième vote, Hamza. Baqi un dernier. Alors, celui ou celle qui va nous quitter ce soir, c'est toi, Halima. Et bien sûr, tu vas emmener avec toi, Younes. Goldwing serait à bot. Désolé, Halima et Younes, vraiment désolé. On vous appelle. Je suis désolé, au stade. Ah ben oui, c'est... Non, le blacks. Bravo les gars. Parcours. Bravo. Bravo Halima. Yes. Bravo. Alors Halima. استاذ انا هذه المره الثانيه اللي كانت اليمينه من هاد من هاد السيزون دونك ولفت ولفتي حليمه سكو جي ادوري سي توا سي تون ان فيت تا ديسكريسيون اي سا بيان مارشي سي بيان اوكي من غير لا ديسكريسيون قرايه عرفتي شنو حليمه داك الضرب والسكات هي حليمه كاينش Non, franchement, je suis très fier de toi et j'étais très content que tu reviennes à l'émission. ميرسي بوكو استاذ استاذ الله يرحم الوالدين ديما غادي نبقى نقول لك الله يرحم الوالدين على هذا الشيء كامل اللي كدير معنا والله زعما غادي نبقاو ندعيو معاك ديما هادشي اللي بارك علي هادشي وصلت الحال مازال نشوف ان شاء الله ياك ان شاء الله ان شاء الله ضروري استاذ الو دابا On peut dire malheureusement officiellement Rabat perd le titre après 3 ans de suite. 3 ans de suite Rabat. 3 ans de suite donc. On s'est donc allé chez faculté à Bedlo, il y a qui Bedlo, ça fait rien normalement. Bedlo, moi c'est moi. Donc il y a en fait il a défendu l'école de Rabat comme bien comme je pense parce que là et je suis sûr que Mazal Antio Inch'Allah, d'accord. Inch'Allah, Ousted. Younes, alors. Aïe aïe aïe. Côté compétent, tu étais mon préféré, Flef Tchétan, Wallah al-Adim. J'adore. Wallah al-Adim. Alors, je le pense, mais vraiment, je le pense. Vraiment, tu vas que là, pour ta régularité, surtout les staffs, tu étais merveilleux. Gold Wings, Amin, ça. Alors. Moi, je suis Gold Wings, Bain. Donc, je vais vous dire, au stade, je vous remercie. Je pense en vous, Nefs, je vais vous dire, دكتور زينب الدراوي انا في الاول دخلت سطل ولي في غوليم كان غالب علينا في لي سيرفيس وفي لي فاك المهم خلينا لي مزيان في غوليم شوف لي في غوليم كان غالب علينا في حياتنا اون جينيرال الحمد لله جيت وخديت لي في بيغلونتا جيت رديت لا كونفيونس اون موا اللي كانت عندي في الباك حيت افون كنت ديما parmi les meilleurs من بعد ميديسين تخلطوا عليا العلارم كنت مولف 20 كل هذاك اللي دخلت للميديسين هذاك اللي دخلت كحصل في للميديسين الاول ديال دخلت للميديسين تخلطوا عليا العلارم مي بون دابا شدينا لي بيدال
والحمد لله هاد ليميسيون هادي وهاد التجربة هادي ما عمري غنساها. وبيغلونتا غادي نقولها ربحتها انا دوبوي واحد جوج ديال لي زيبيزود قبل، انا ربحت بيغلونتا. علاش؟ حيت عرفت فيها دراري زوينين نقدر نقولهم واحد بواحد. غنبدا بليكيب غابا اللي كنتمنى يكون شي سيناريو اللي نلعبوه في الريل لايف، يا ريت ان شاء الله. نكون واقفين شي سيناريو ليكيب خلاص غابا خلاص اونصومبل. صحيح ميل دون لا فري في والله تشوف بابا عقلك ليك. دونك ليكيب غابا غنبدا ب سلمان، تا هو راه ما نسيناش، سمية، علي، يوسف، ايوب وصل الكوتش ديالنا، محمد تا هو، ابخي تلاقينا صلاح، حليمة، زعما الدراري خلع عمر هدار. و هاد المعرفة هادي اللي عرفت هادي هي بيغلونطا بالنسبة ليا. و اكزاكتومون سيغتو سيغتو جو سوي زعما اوفيسيلمون ليتيديون ديال البروفيسور مواوي. ميرسي. Alors, شوف تبارك الله عليك. De toute façon, tu n'as rien raté. De toute façon, il n'y a que deux épisodes, Inch'Allah. Tbak Allah عليك. Je suis très fier de ton parcours. وغدا نشوفو في اللايف ان شاء الله في انستغرام ياك سي بون نشدو في ان شاء نشاطك الله استاذ، ان شاء الله استاذ. تكون الحلقه ان واعره توكا استاذ، ان تشاتر راه سي ان ستيل دو في يا استاذ. سمعت اش قلت ليك؟ tu t'es l'un préféré تشاتر خلينا سي ان ستيل نقرا دو في. بيان. لا تنقول تشاتين بالضحك، ولكن شوف دون لا فري في، دون لا فري في فوتر في بروفيسيونيل il faut avoir les compétences كيما قال زين تو لي كومبيتونس بوتيك باسكو الحمد لله الحمد لله كاع تيدو الميديسين سي لي ميور الحمد لله، ولكن ما ضربتهمش الحياة مزيان سكيفي تطلعوا دي زان تاني ريزيدون تبدا لك تصلفق الاول شريه من هنا ضربه من هنا وهادشي ما تتعلموش Résident, c'est autre chose. سي اوت شوز كون تي اون بلان سبيسياليتي سا سي اوت شوز اي سا راه شتي كاع اللي عشتو دابا هينفعكم في حياتكم العاديه ان شاء الله. يلا إن لي شاء زامي الله، بون سواري vous avez bien بون bossé كوراج لي on va زامي. se voir les demi-finalistes. Alors شوفوا هاد الحاجه لو كولي ديمونيتي راه باقي في كات ديرني شكون فيهم الله اعلم. دونك هاد لا شنو كيخدم بيرسون اللي السر؟ عندها كولي ديمونيتي الي سيغ لا بيرسون الي سيغ اي سيغتان كو وصلت لا فينال، فينال لا فينال وي. داكور باسكو كيخدم السر لا في الدومي ديرنيير فينال، فوا نعم كيخدم حتى في الدومي فينال. بيان سيغ سي لا فينال ما السر كيفاش غتكون لا دومي اي فينال اي السر؟ واش ايوا باقي كاين عليك تيستان الساعات ليا ان شاء ولا؟ الله. لا غير واحد الله اعلم. دونك لا فينال سي لو ميركودي غتكون معنا مع تري شير امي بروفيسور طويل غتقراو وتدخل لكم قريه من نيفكم اللي اكسلون اي فوز الي فير لا نورو ايماجري انا تنقرا معاه بو فو ديز فريمون اللي تري تري تبارك الله تري بيداغوغ ان شاء الله لو ميركودي ان شاء الله سي بون إن شاء الله أستاذ. الله يلا بون سواري باي 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 بونسوار يا زامبي، السلام معكم. عليكم بونسوار يا زامبي. السلام عليكم.